Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. J'espère que vous allez bien ce soir. Nous sommes en compagnie de Alfie, X et Phoenix. Bonsoir à vous trois, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour à la VOD YouTube évidemment. Ce soir nous sommes venus avec des partenaires, des beaux partenaires qui sont venus de tout horizon. Nous allons commencer avec... moi-même, mais je sais pas si tout le monde m'a suivi parce que je vous avoue que j'ai pas vraiment suivi les listes. Je sais pas si tout le monde m'a suivi. Je suis venu personnellement avec Cédric et Malfegor. J'ai choisi un partenaire Alara, un partenaire du plan d'Alara. Et c'est là qu'on va perdre tous les viewers. J'ai jamais vu ces cartes. Déjà, si t'avais fait la paix, tu aurais vu au moins l'une qui était donnée. À l'époque des vieilles AP où il y avait une carte. Malfegor, je connais, moi. Je jouais Malfegor, moi. Ouais, Malfegor, pour ceux qui n'ont pas d'amis. Tout de suite. Cédric, c'est très joli et Cédric est un peu dur, mais il donne envie de builder. Il a envie de builder quelque chose avec lui. T'as fait un build de Cédric, mais avec Malfegor dedans. Bah, ouais, j'ai pris Cédric. J'ai regardé les généraux qu'il y avait dans Alara et c'était celui qui était le plus intéressant, on va dire, avec sa combo. Et derrière, il faut aller chercher un partenaire légendaire qui allait avec, quitte à prendre le King de Grixis. Il fallait que je prenne quelque chose qui allait avec Grixis. Ouais. Donc, nous avons le thème Grixis. Il faudrait t'expliquer pourquoi ils n'ont pas le partenaire et qu'on les joue quand même en partenaire. Ah bah vas-y, explique, parce que moi, j'ai pas compris. Ben, en gros, voilà, hop, la patate sourde, elle est pour moi. Ben, en même temps, c'est moi qui ai eu l'idée, donc je peux l'expliquer. J'avais proposé comme idée, c'était que pour continuer dans le thème un peu de la marche des machines, où ils avaient fait des team-up un peu spéciaux, ben c'était de proposer nous-mêmes pour une soirée tranquillou un peu sympa, on fait nos propres team-up avec comme restriction que les deux légendaires soient du même plan, pour faire une team qu'on espérait avoir, pendant l'invasion des machines. Ok. Ah oui, c'est un super lore ce que tu nous as fait. Bah ouais, c'est cool. Ah ouais. Ah c'est oui. Con que c'est pas toi qui l'as animé cette soirée. Mais non, c'est bon toi. Donc, en tout cas, voilà. Bon choix de Higgs. Enfin, comme d'habitude, la théorie était cool et la réalité, on va voir si elle est bien. Elle était un peu moins claire sur le. Ouais. Ouais. Je me suis focus moi sur Alara et je me suis dit, vas-y, je vais prendre que Mais des cartes d'Alara. Mais c'est bien, c'est ce qu'il allait faire, je pense. Et essayer de resserrer le plus possible sur le plan lui-même. Ça me semblait intéressant en tout cas, j'espère. Je suis full recentré, il doit y avoir quelques cartes qui ne sont pas là parce que tout vient normalement du plan d'Alara, mais ça vient pas forcément de l'extension puisqu'il y a des cartes dans M15 qui venaient, ils s'étaient pompés sur le plan d'Alara justement, donc il y a des cartes qui viennent de là, il y a des cartes de Modern Master 2 parce que voilà, ça rappelle aussi, c'est un peu aussi du Grixis, mais pas beaucoup. Hein. Il y a 95%, 97% des cartes, c'est du Alara, Conflux et Shardal Farala. Alara Ribbon, pardon. Voilà, j'espère en tout cas que mon jeu fera quelque chose, mais pas avant le tour 7 à peu près. Mais j'espère quand même trouver des choses. Alfie, avec quoi es-tu venu contre Alara ? Moi, je suis venu donc avec le plan d'Innistrad avec Ghoul, Color, Giza et Giralf, Visionary, Stitcher. Donc les frères et sœurs, voilà, qui se font un peu la guéguerre en mode hey, regarde, c'est moi qui ai fait le plus beau zombie. Non, c'est moi. Et c'est un tribal zombie. Ça, par contre, malheureusement, je n'ai pas trop respecté le thème de Innistrad. Après, c'est sûr que dans... Il y a des zombies dans Innistrad, hein, ça c'est sûr. Excusez, il y avait trois plans, hein. Il y avait trois extensions complètes. Voilà, mais il y a un peu de tout, parce qu'il y a aussi un peu de Damas, donc voilà. Et je vois par contre que tu n'as pas pris le Giralf qui allait avec la Glissa à 5. C'est pas très lore. C'est moins lore. Ça. Ben, Giralf, ils ont fait deux cartes. Il y a un Giralf à 5 et un Giralf à 3. Ghoul, ouais, Color, Giza et Stitcher Gérald. Il est peut-être dans le deck. Hein. Peut-être, nous allons voir. Higgs, toi qui es à l'idée de ça, à l'origine de ça, qui es-tu venu ? Parce que logiquement, moi, la dernière fois que j'ai proposé un truc, c'est moi qui ai gagné. Donc là, logiquement, tu es censé gagner. Oui, j'espère bien gagner. Moi, je suis venu avec le plan de New Capenna. Je suis venu avec un duo Boros, donc Jaxis, The Troublemaker, et Benny Brax, Geologist. Je crois que c'est assez téléphoné ce que je veux faire, c'est un deck jeton.
Je vais faire des jetons à n'en plus finir. Et voilà, on ça fait, y est. C'est le soulèvement de la ville. C'est pas content. En fait, c'est les gilets jaunes. Voilà, mon deck, c'est les gilets jaunes. Deck gilets jaunes avec des zoologistes et des mecs de gauche. C'est ça, ouais. C'est des gauchistes. Que des gauchistes, ouais, c'est ouais, des ouais, bah, les gilets jaunes, ouais. Ouais, effectivement, ouais, effectivement. Non, pas trop les gilets jaunes. Mais on en reparlera pas. Non, on n'a pas le droit. On va perdre Twitch. Ouais, voilà, c'est ça. Twitch va nous perdre. Ce serait dommage. Phoenix, quel est ton plan? Alors moi, du coup, j'ai choisi le plan de Kamigawa. Et du coup, je suis venu avec Tameshi, architecte de la réalité, et Shigeki, visionnaire de Jukai. Oh, le tricolore se dissimulé, quoi. Du coup, l'idée, c'était simple, un peu essayer de montrer un peu l'assemblage, du coup, la dichotomie qu'ils ont posée avec le set, le dernier set de Kamigawa, c'est-à-dire les artefacts contre les enchantements. Et du coup, essayer de mélanger un peu les deux, de les voir s'allier l'un avec l'autre pour, espérons, casser la gueule des Phyrexians. Même si du coup, ça va être un peu casser la gueule d'une autre équipe qui se bat contre les Phyrexians. Enfin bon. Okay. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un commandant qui rampe, l'autre qui remonte les terrains, un peu l'un qui remplit le cimetière, l'autre qui vide le cimetière. Je trouve assez complémentaires l'un à l'autre. Si je dis pas de bêtises, t'avais une combo en tricolore comme ça. En sacrifiant un land artefact que du coup tu pouvais retourner sur le champ de bataille et faire une boucle. Peut-être. Oui, je crois qu'il y avait un deck avec Tameshi pendant un moment. Oui, parce qu'en fait, t'as avec le. Je crois que c'est le truc vert qui, quand un land arrive sur le champ de bataille, tu peux lander en plus. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Oui, c'est ça. Il y a des. Comment ça s'appelle? Genre, il y a le Walking Atlas. Il mettait des landes en plus. Oh, c'était, ça avait l'air chiant comme pas possible. Oh là là, ça a l'air chiant. On repart pour le sondage classique, 10 minutes pour choisir qui ce soir va gagner. Malfegor Cedris, Glissa Gérald, Jaxi Beni ou Shigeki Tameshi. Le vote est parti. Bonne chance à vous, n'hésitez pas à proposer justement, à vous manifester pour savoir qui selon vous, quel est votre coup de cœur. N'hésitez pas également à proposer des soirées. Et... Glissa, c'est un autre. Ah oui, c'est pas Glissa, c'est. Oui, pardon, j'ai été vite. Bon. J'étais trop vite. Oh, c'est des zombies. Bête, hein. Des zombies. Ouais, voilà. C'est des zombies. Mais. Giza, oui, pardon, Giza et Géralf. N'hésitez pas, du coup, à proposer des soirées, des thèmes. Si vous avez plutôt, n'hésitez pas à passer pour la VOD YouTube, comme ça au moins ça reste. Mais vous pouvez également sur Twitch proposer des choses pour des prochains thèmes futurs. Et je me permets, on vient de faire le random commander pour savoir qu'est-ce qu'on jouait le mois prochain. La semaine suivante, on prendra les généraux que vous avez choisis. Donc n'hésitez pas, VOD YouTube, Twitch, maintenant, proposez les pires généraux que vous voulez. Sur ce, on va commencer avec les petits trucs habituels, hein, évidemment. Si vous ne pouvez pas rester ce soir pour regarder la suite, et n'hésitez pas à passer sur YouTube. Le replay sera disponible lundi soir avec des superbes miniatures faites par Higgs, ici présent. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur les miniatures, ce que vous en pensez. Voilà, vous avez le YouTube là, n'hésitez pas à y aller, vous sélectionnez, vous cliquez sur la cloche, vous serez prévenu à ce moment-là. Une autre manière également d'être prévenu, c'est de passer par Twitter. On prévient tout là-dedans, on lance tout, que ce soit des lancements en live, si on est présent sur des choses. Il y a pas mal de choses qui vont se dérouler aussi cet été. Il y a les commandes fest, il y a le commandeur de l'assemblée, on en a pas parlé, mais moi j'y serai en tout cas. Certains membres ici vont sans doute aussi y aller. Voilà, il y a plein d'autres choses comme ça où on peut être. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter également, parce que c'est là-bas que ça va se passer, qu'on lance aussi également des lives sur Twitch, et quand on sort des vidéos, que ce soit des replays ou des vidéos uniques sur YouTube. Vous avez d'ailleurs en ce moment les tops Duel Commander pour le jour d'après sont sortis. Vous aurez le top multi samedi qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas également à passer sur YouTube pour aller voir, découvrir ces tops-là et savoir ce qui peut être intéressant pour vos duels commandeurs ou vos decks de commandeurs. Enfin, vous avez également le Discord si vous souhaitez discuter avec nous, poser vos questions avec les juges également, ou discuter des extensions avec l'équipe, les autres personnes. Voilà. N'hésitez pas. On y va. Bonne chance à tous, évidemment. Et n'hésitez pas à voter et proposer des généraux pour les soirées suivantes pour l'équipe du Commander Club. Je commence montagne, Mox, fin de tour, évidemment. Le caillou, les beaux cailloux de l'époque. En fait, ce qu'on a, hein, Alara. Ouais, je sais que je suis flou.
Est-ce que toi aussi t'es flou de moi? Hop, le fameux El Famoso Caillou qui me permet de renvoyer un terrain et pour le faire arriver engagé. On ne se moque pas. Wow. Je joue à domicile. Le pire, c'est que je me suis dit que j'ai mis de côté des illustrations pour essayer de faire les 5 derniers. Ah, ben c'est pas mal. Hein. C'est vrai. Ce serait bien d'avoir le cycle en tout cas. C'était joueur surtout moderne. Surtout que en plus, c'est super simple de faire les noms parce que en fait, les noms sont Vayne. Tu vois, c'est pour le noir et Fire, c'est pour le rouge. Donc du coup, si tu fais un qui n'existe pas, t'as juste à reprendre. Et chaque border post a cette déclinaison. Enfin, bref, ma rêve, pas me tour. Ah ouais. Donc du coup, juste le nom est hyper simple à trouver, tu vois. Mais ces illustrations, c'est un peu plus compliqué. C'est à moi, oui. J'ai rien à faire tour, hein. J'ai rien à faire. Ouais, je vais juste. Moi, je peux pas faire grand chose non plus. Je pose une montagne et dire fin de tour. Ok. Alors, moi, à mon tour, je vais. C'est pas. J'étais obligé par montagnes. Les border posts. C'est pas les bonnes montagnes, là, X. Ouais, tu joues. Je vais jouer un temple de l'illumination, faire un regard 1, garder la carte et terminer mon tour. Je pioche une carte. Je joue une montagne et. Non, je joue pas de montagne, pardon, excusez-moi, je reprends ma montagne. Je vais jouer un panorama de Grixis qui me permet soit d'avoir du mana incolore, soit de payer un, l'engager, d'aller chercher une île, un marais ou une montagne et de la mettre en jeu engagée. Fin de tour. Okay. Et sans surprise, je vais y aller. Je vais chercher une île. Eh ben, je vais piocher, je vais jouer une île et je vais dire une fin de tour. On pioche et du coup. Oh, bah tiens. Rectorio des falaises et pour deux, une des cartes préférées je pense que je vois tout le temps jouer Phoenix la jouer. Conspiration terroriste. Quand il attaque, je peux payer un, dépenser une carte. Si je le fais, je pioche une carte. Et à chaque fois que terre est plate. Comment ça joue des rares là? Ça joue des rares. Ça joue des rares à 2 centimes. Ça joue des rares. À chaque fois que je dépose une carte, je peux l'exiler de mon cimetière. Si je le fais, je peux le jouer ce tour-ci. Fin de tour. Je dis que ça joue des rares. Attends, toi, il t'en faut soit une rare de centimes. Moi, il m'en faut 8 des bornes pour que ça fasse 2 centimes. C'est pas vrai, ça. Alors, du coup, j'ai joué une tour de l'industrie. Engager les deux pour recycler mon compagnon du séjourneur. Je vais pouvoir aller chercher un terrain artefact. Regardez ces gens qui jouent pas du tout leur extension, leur plan, là. Votez pas pour eux. Votez pas pour eux, putain. N'essayez pas de vous avoir, Alfie l'a dit aussi. T'inquiète, le prochain que je joue, le reste de ma main, c'est que des trucs de New Capenna. C'est beau, parfait. Si tu peux prendre le tour, je vous montrer ce que je suis allé chercher. Une fois que je serai allé chercher. Moi, je joue un cultiste de sang. Alors, c'est marrant, c'est au masculin, mais je pense qu'il y a une faute. Je ne veux pas faire de... liaison trop vite, mais je pense que oui. Et donc, le cultiste peut infliger une blessure à une créature ciblée, et chaque fois qu'une créature ayant subi des blessures, ce tour-ci du cultiste est mis dans un cimetière, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Ça va me permettre de profiter de phases d'attaque adverse chez les adversaires et de faire en mode « Attendez, je rajoute ma petite pierre inutile à l'édifice. » Et moi, je vais chercher... Excuse-moi, et puis voilà. Je te coupe. Tu peux. Hop, je vais chercher un pont de chevêtre marre, un terrain artefact bleu-vert. Voilà. Yes. Moi, je vais piocher, je vais mettre une... deuxième île. Merci Darkson pour ton prime. Merci beaucoup. N'hésite pas à voter pour déjà un ce que tu trouves bien ce soir et à proposer des généraux dans le chat pour que nous puissions le sélectionner et faire et martyriser des gens de l'équipe. Pour une prochaine soirée. Fin de tour. Ok. Pioche. Ok. Il faut la lire cette carte. Déjà, je joue voilà, c'est Jean qui net deck, bravo. Mais non, elle a beaucoup de texte. Non, c'est pas le moment maintenant qu'il faut le faire. Est-ce qu'elle a beaucoup de mana aussi, si elle a beaucoup de texte? Non, 3. Ah. Mais je vais pas la jouer. Et il y a une autre carte que j'ai envie de jouer, mais que je vais pas la jouer parce que t'as joué une carte chiante. Non, je vais payer 3 et... taper mon théoricien du complot
tu vas jouer Benny Brax avec la convocation. Il dit qu'au début de, mon étape de chaque étape de fin, si j'ai fait un token, je pioche une carte. Et je vais dire fin de tour. Okay. T'avais de la chance que dans Alara, que c'était pas dans Alara qu'il y avait le collier du basilic. Je dégage. Putain, je oui. Pioche. La chance. La chance. T'aurais dû choisir, je sais pas, Lorwyn par exemple. Les Giroux de Lorwyn, ils donnent pas envie. Oh, il y a Nart dedans. Ouais, en plus je l'ai. J'aurais rentabilisé. C'est pas très marrant d'effausser les trucs. J'ai pas pris de tout. Bah, j'ai pris Malfégor, c'est que pour moi. Du coup, j'ai joué un pont de Chevêtre-Mar, ce qui fait que j'ai un artefact qui me permet de payer un point de vie avec la tour de l'industrie pour faire du mana vert et jouer mon commandant, enfin l'un de mes deux commandants, Shigeki. D'ailleurs, t'as oublié de le mettre sur Spell Table. Et c'est à vous, du coup. Et du coup, à moi. Pioche une carte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Glissa. D'ailleurs, à chaque fois, tu fais l'erreur. C'est pas Glissa. Hein. C'est Giza. C'est Giza. Giza et Gérald qui gagnent le. Alors, je vais jouer un beau singe Mine Ogre. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est une 3-2 qui, quand elle arrive en jeu, le joueur ciblé va révéler une carte au hasard de sa main et il va perdre autant de points de vie que le coût converti de cette carte. Non, et tu prends 3. Oh, ça joue des contres. Oh là là. Ça joue des contres qui sont même pas. Allez, tu comptes. Je suis dépité. Ouais, parce que je me dis que. J'ai les miracles dans la main. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est que j'ai pas envie de révéler ma main. C'est fin de tour, hein. Bah, je pioche. Je vais jouer un marais. Et ça va être une fin de tour. Oh là là, le Drogo là. Le Drogo. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas de zombies. C'est surfait les zombies. On va faire ça. On s'attendait à un tribal zombie, mais en fait, non, c'est un tribal contre-sort. Alors, ouais. Escrimeuse célèbre. À chaque fois que tu as gagne. Sous mon contrôle, je mets un marqueur plus 1 sur elle. Voilà. Mais il joue des forces de 1. Non. Mais je sais que j'en ai une dans la main et que je la joue pas. Mais là, je vais me prendre un contre. Je m'en fous. Fais-moi plaisir, s'il te plaît, rentabilise-moi. Pour la peine, je vais t'attaquer à 2. Parce que tu parles. Tu sais que je peux bloquer. Oui, moi, tu sais, je suis à Lara. Il y avait les dégâts dans la pile. Et après, je vais aussi attaquer Phoenix avec Benny. C'est une 3-3, c'est ça? Non. C'est une 3-2. Est-ce que j'ai le droit aux dégâts dans la pile et au mana burn? Non. Non. C'est con. Là, je prends 2. Alors, moi, je prends 3. Et ce sera une fin de tour. Ok, alors. Pioche. Dégage, je vais remettre Amichi dans son coin. Je vais commencer par. Je vais commencer par jouer une plaine. Puis, je vais activer la capacité de Shigeki pour le renvoyer dans ma main. Je vais révéler les 4 cartes de ma bibliothèque. Je pourrais mettre un terrain engagé parmi les cartes que j'ai révélées et mettre le reste dans mon cimetière. Est-ce que tu le mets en commande zone? Non, je le garde dans ma main. Bizarre ça. Alors je vais révéler du coup Brisebank Eliast, c'est bien une plaine, Kelpie des rivières et une culture minutieuse. Donc t'as de la chance d'avoir eu une plaine. Hein. Ah, le Kelpie il est bien. Je vais mettre la plaine engagée, le reste. Ah ça m'a mis le X-Core. Tellement nul. Tellement nul le X-Core. Et je vais. Ouais, ça coûte un peu cher. Ça. Ouais, tu viens bon moment, Martin. Martinique. Voilà. Hello, Martin. Parce qu'on commence à peine la partie. C'est juste qu'avant, on a tiré au sort les commandants pour une prochaine soirée. Et ensuite, j'hésite sur savoir ce que je vais jouer. Je pense que ça va être Shigeki encore pour un point de vie. Et je vais terminer mon tour. Ok. Comment je suis arrivé à F35, moi? Bah, t'as pris 3 de mon contre et 2 du pioche. Du théoriste du concours. Pas très bien ça.
faire un panorama de Djund. C'est exactement la même chose, sauf qu'à la place d'une île, ça va chercher une forêt. Je vais le craquer, je pense. Ouais. C'est une fin de... Mais Shigeki, il est combien? Non, mais il a un 3 Shigeki, c'est ça? Ouais, c'est la croix et la bannière, lui. C'est l'enfer. Fin de tour. Deux, ça va, hein, fin de tour. J'ai payé 4. Ah. J'ai joué hostile négociation. Je vais exiler les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque face cachée. 1, 2, 3. Je vais exiler les 3 cartes du dessus dans une autre pile. Je vais regarder les deux piles. Ok, ok. Ok. Et la deuxième. Ah, c'est bien ce genre de carte, j'aime bien. C'est sympa, ouais. Ok. J'aime bien ce genre de carte. Et je vais en révéler une. Donc je vais révéler la première, où dedans il y a un Sinistre Sabotage, un Feed the Sworn et un Prise Amalgame. Oh. Alors, je vais choisir un adversaire. Oui, mais on va choisir. On va essayer d'influencer quelqu'un. Je vais choisir Ragen. Ça part au cimetière. Ce qui est visible, du coup. Ce qui est visible. De temps, tu choisis une qui est une et je mets je choisis non la, la pile que tu as choisie va dans ma main et l'autre dans le cimetière. Ben la face cachée va dans ta main. D'accord. Et ça, ça va au cimetière. Ouais, je pense que, ouais, je pense que Alfie voulait cette pile. Touk, touk, touk. Je sais pas pourquoi, mais je sens. Bah, que... sur les 3 cartes, il y en a une que c'est pas grave si c'est dans le cimetière. Hein. Oui, voilà. Et puis les autres, j'étais en mode, bon, autant m'en débarrasser. Alors, donc j'ai détapé, j'ai pioché. Je vais lander. Touk, touk, touk. Un Cyprus Crush March qui arrive détapé car je contrôle 2 terrains. Enfin, 2 autres terrains. Et donc, lui, c'est. Quand une créature entre sur ma taille, si un depuis le cimetière ou casse depuis votre cimetière, ouais. Donc, il faut quand même que je casse depuis mon cimetière. Hein. Ouais. Ça va aller. Quand même. Dans l'extension. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais être gentil avec toi, Ragen. T'es gentil. Ouais. Ça change. J'ai payé 3. J'ai joué un Headless Rider qui est une 3-1. Ça meurt. Non, attends. Donc, quand il meurt, on du coup, j'ai pris 2-2. Non, mais c'est bon, il est déjà mort, lui. J'ai pas la priorité, c'est toi qui as la priorité avant Alfie. Oui. Il meurt pas encore. Faut que tu fasses quelque chose avant. Eh ben écoute. Je vais attendre la fin du tour adverse ouais, quand même. Je vais payer 2 pour jouer un Perpetual Timepiece. Ok, il est là. Ça marche. Okay. Voilà, fin de tour. Tiens, pioche. C'est exactement ce que je voulais. Incroyable. Ton plan machiavélique était en route. Ouais, j'ai payé 4 et joué mon deuxième commandant, Jaxis. Trigger de l'escrimeuse célèbre. Une autre créature est arrivée sous le champ de bataille sous mon contrôle. Je mets un marqueur +1/+1 sur elle. Ouh. Ensuite, je vais aller au Kuba. Alfie, il a une... 3-1. 3-1. Ça bloque. Déjà dit. On ne va pas attaquer Alfie. L'escrimeuse, ça va aller chez Ragen. Je comprends pas. Comment elle s'appelle ta carte? L'escrimeuse célèbre. Ah non, c'est moi. Celebrity Fencer. Non, c'est bon, j'ai lu la carte. Okay, je vais quand même attaquer Alfie, mais avec un conspiration terroriste. Et, tu m'attaques avec quoi? Non, pas toi. D'accord. Toi, je t'attaque avec l'escrimeuse célèbre. Ah, tu m'attaques avec une 3-3. D'accord. Ouais. Non, une 4-3. Une 4-3. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ensuite, tu m'as pas payé. Je t'ai pas payé. Dis donc, c'est pas ma faute si on était pas en retard. Hein, si on était pas à l'heure, c'est pas ma faute cette fois-ci. Ouais, on va faire comme ça. Le conspiration terroriste sur Alfie, l'escrimeuse sur Ragen et Benny sur Phoenix. Quand j'attaque, je vais payer 1 sur la théorie du complot pour défausser
ça. Pioche une carte. Je vais pas l'exiler. Exiler. Non, je vais pas le faire. Et puis, ce sera... Voilà, on passe aux dégâts si vous voulez. On passe au bloc avant. Je vais bloquer ton 2-2. Ouais. Moi, j'ai pas de bloc. Je propose que tu pinges ça 2-2 si tu veux. Oui, bien sûr. Phoenix, tu bloques ou pas? Parce que si justement, tu pinges, j'ai hésité parce que ça pourrait lui permettre de buter Benny, mais... Je tiens à Shigeki un peu, mais je sais pas à quel point, en fait. Garde toi. Le truc, c'est que si tu pinges ma 3-1, c'est que son 2-2... Non, je pinge pas ta 3-1. Si tu la bloques, elle va mourir de toute manière. Ouais, je vais bloquer. Ah. Donc autant pinguer Benny. Autant casser les couilles. Ouais. Et ben, je vais. Si tu bloques Phoenix, je vais pinguer Benny. T'as bloqué Alfie, hein, c'est ça? Ouais, moi j'ai bloqué. Ouais. Okay. Et ben, les demeures chez moi. La négociation. Bravo, bravo l'équipe. Je suis vous. C'est bien les gars. Et puis c'est tout, hein. L'odieux zoogauchiste n'a eu que ce qu'il méritait. Donc moi, je dégage. Et t'as pris tes 4 dégâts, Rajan? Ouais, je mérite pas. Si, tu mérites, là. Ouais, je mérite pas. Je pense même que tu vas prendre un peu plus au prochain tour. C'est pas du jeu. C'est pas si, c'est justement c'est le jeu. J'espère prendre un peu moins au prochain tour. Je vais jouer une prairie émissante qui arrive dégager que je contrôle une plaine. Tu vas faire une intense réflexion. Ouais, je regardais une de mes cartes pour essayer de la lire. Pendant toi, si tu n'es pas deck. Pendant que Phoenix réfléchit, vous pouvez toujours proposer des commandants pour la soirée, la soirée des abonnés. Je vais payer 3 pour jouer Tameshi. Je vais discrètement aller chercher un marais. Ouais. Tameshi, ouais, une plaine, quoi. Et ensuite, je vais payer 3 mana pour jouer Cosima, déesse du voyage. C'est quoi ces gens qui jouent pas des 1 de défense là? Je fais ce que je peux. Moi qui est là pour montrer qu'Alara est une grande nation. Nation qui a besoin de ce que les créateurs en face et qu'un seul d'endurance. Ouais, on a 4 propositions là de Dark Sun. Alors, Katisa, voilà. Willette, Ezuri, Griffe du Progrès et Muldrota. Alors, on regarde tout ça, on rappelle, je ne sais plus si on l'a précisé, mais c'est un level 7. Ce sera pour un level 7. Donc, Ouais, bah après. Widget, je l'avais déjà joué. Voilà. Oh, bon, non, mais c'est pas précisé. Je pioche. Ah non, alors attendez, fin de tour. Pardon. Ezuri, Griffe du Progrès, c'est celui qui avec les marqueurs expérience. Bon. Je fais un conseil matérialiste, je vais regarder le top 3 cartes. Top X cartes, pardon, X étant le type de terrain, vu que je joue tricolore, j'ai que 3 types. Et mettre une dans ma main et le reste en dessous, dans n'importe quel ordre. Que je 3 cartes, bien, faire... bien, qu'est-ce qu'il faut pas faire donc, cette carte. Ouais. Oh, j'ai une couleur, c'est cool. J'ai une super carte. Tu dis nos plans, mais bon, là, c'est une carte esper. Hein. C'est. Oui, mais bon, c'est bleu. On va dire que c'est grave. Pioche du tour, je détape le cultiste, je pioche mon tour, c'est pas un mana, un marais, en même temps, c'est pas un terrain. J'avais un terrain, oh, je l'ai mis dessus, mais c'est bon, j'ai mis dessous. Hein. Ouais, c'est dessous. Je vais jouer la carte qui m'a fait envie, qui est magnifique, faut que je en profite pendant que Alfie est full tap. Ce sera le Mindclaw Shaman, qui a quand même une bonne tête de Grixis. Ou de June. Quand même, ça va chier, c'est peut-être June, je me suis peut-être trompé encore de plan. J'avais pas mes yeux, voilà. Alors. C'est Grixis. Quand il arrive sur le champ de bataille, un adversaire va révéler sa main. Je vais choisir un rituel ou un éphémère et je peux la jouer sans la payer. Et ce joueur va la jouer sans payer son coup de mana. Non, tu peux la jouer depuis. Je peux la jouer. Je suis le contrôleur du sort. Ouais. Qui choisit? Quel est le nombre de cartes dans vos mains, messieurs dames? 5. J'en ai 6. Je n'ai pas regardé les decklists. Qui joue le plus d'éphémères ou de rituels? Qui joue le plus d'éphémères ou de rituels? Vous essayez de vous vendre. Honnêtement, moi, j'ai
deux éphémères au rituel, mais ils ne te servent à rien. Ok. J'ai un deck créature. Ok. Fini. J'ai un sort avec un coup de X et un deuxième qui ne coûte qu'un mana. Donc voilà, moi aussi j'ai un sort. Donc là, on a. Si c'est Brainstorm, c'est quand même sympa. Et j'ai un sort qui te permet d'avoir Exproof jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc X, tu as potentiellement pas de sort dans ta main, c'est ça? Ah ben, j'ai un deck créature, c'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, je peux te dire que tu auras une cible intéressante si tu poses. J'ai une cible intéressante dans ma main, voilà, et que ça m'embête pas de perdre. Ok, alors je prends ta main, Phoenix. Tu vas révéler toute ta main au monde entier. Et là, on pleure parce qu'on ne sait pas ce que c'est, voilà, les deux cartes. Ouais, c'est pas mal. Alors, attendez. Attends, bouge pas. On va perdre spell table. le pire c'est qu'il y a deux cartes avec 100 bords. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est un biterrain, c'est ça, c'est un Boonsland. Ouais, c'est Chamber machin Boonsland, d'accord. Ensuite, j'ai emprisonné dans la lune. Ah, t'as emprisonné dans la lune quand même. Non, mais c'est pas un éphémère rituel. C'est pas un éphémère rituel. Pardon. Et du coup, c'est quoi? Ah, c'est Prismatic Ending. Et Pass to Exile. Ah oui, Prismatic Ending, je peux, c'est spell, c'est casté, donc ça marche pas. Si, tu peux. Parce que c'est le nombre de couleurs de mana. Et ça exilera le zombie de... Ça exilera le zombie. Ah oui. Non, je vais pas tout exile le Jaxi. Putain, vous me cassez les couilles. Bah, t'as dit que j'allais prendre cher. Hein. Mais tu vas quand même prendre cher, mec. Bah peut-être, mais je prendrais moins que Jaxi. Tu voulais pas plutôt pas tout exile son truc qui grossit? Lequel? Ouais, je... Qu'est-ce que vous voulez, les gens? Son commandant, en du vrai, coup, ouais, il peut le rejouer. Hein. Un peu le commandant. Ouais, je laisse ton commandant. Allez. Et du coup Bah du coup, la 3-2. La 4-3. Vous cassez les couilles quand même. Ah pardon. Regardez là. Tu vas quand même mélanchoniste. Jamais content. Tu vas quand même prendre cher. Ouais, mais j'ai une 2-2 pour bloquer cette fois-ci. Oui, ben tu vas voir quelle taille il fait la créature. Fin de tour. Je me sens un peu sale hein, quand même. T'avais qu'à paquer des cartes de ton extension, c'est ta faute. C'est pas à moi Higgs qu'il faut en vouloir, ok? C'est à Phoenix de pas avoir bien buildé son deck. Voilà. C'est surtout faut m'en vouloir à moi d'avoir balancé que j'avais un Pass to Exile dans la main. C'est vrai. Tu étais à 38 ou à 40 X? Je suis à 40. Ouais, j'ai dit que j'avais un sort intéressant. Ah oui, donc tu peux pas faire du 2 points de vie. C'est un retour au pays. Retour au pays, il fait gagner sa force. Ouais, ça prend ça. C'est 4-3, j'ai gagné 4 points. D'accord. Vas-y, oui, donc tu n'avais pas perdu de points de vie avant. En fin de tour, je vais me meuler 2 parce que je trouve ça marrant. Je vais meuler un Jozu et je vais meuler un Vengeful Dead. Alors c'est quoi Vengeful Dead, quand lui ou un autre zombie meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Jozu, c'est... Ah oui, c'est un truc qui kick et tu peux faire plein de zombies. Ok. Je vais donc détaper, je vais piocher. Ouais. Je vais lander une île. Eh ben, je vais payer un, deux, trois. J'ai joué Unbreathing Horde. C'est une 0-0 qui arrive avec un marqueur +1/+1 pour chaque zombie que je contrôle et chaque zombie dans mon cimetière. Donc, j'ai un zombie en jeu. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 marqueurs. Ouais, t'as fait un Pass to Exile là, sur mon tour. Voilà, et quand il devrait infliger des blessures de combat, je préviens ses blessures et je lui enlève un marqueur +1/+1 dessus. Donc, c'est pas si fort que ça. Hein. Et tous mes dés sont par terre, donc il faut que j'aille le faire. Est-ce que je fais autre chose avec mes 3 mana? Alors non, je ne ferai rien avec mes 3 mana, je vais dire en fin de tour. Ok. Mmh.
Je fais ça, tu vas me casser les couilles encore. Bah, moi, je te cassais les couilles parce que tu m'as cassé les couilles. Ben non. Ah c'est non. Tu m'as agressé. Le truc, c'est que là, tout ce que j'ai dans la main, c'est ton truc, c'est il va me le tuer. Donc, Mais si tu veux, je le fais pas. Intérêt zéro. Si tu veux, on fait un nombre de tours. Je vais jouer autre chose. D'accord. Hors douleur, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, je fais un trésor pour chaque artefact que contrôle. Voilà. Right. C'est 5-3 avec coup 3. Ouais, parce que Spotify, il le reconnaît pas. Bah, fin de tour. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je vais payer 3, je pense, pour activer la capacité de Tameshi. Je vais renvoyer dans ma main un terrain que je contrôle, du coup, une plaine, pour ramener Shigeki. Ah, wow. Ok. Ouais. Je vais renvoyer la plaine dans ma main. Du coup, excuse-moi, effet de Tameshi, je vais piocher une carte quand même. Vu que j'ai renvoyé un permanent non-créature dans ma main. Une seule fois par tour, hein, mais quand même. Je vais renvoyer une plaine dans ma main après avoir joué une chambre de croissance de Simic. Et je vais payer 2 mana pour jouer l'Aquilon parachevé. Ça marche. Je pense Alors, les clics sont dans le chat, hein, si jamais. Vous arrivez, vous pouvez venir voir les magnifiques decks qu'on a fait. Magnifique, ouais. Ouais, je vais terminer mon tour du coup. Ok, je prends mon tour. Je pioche ma carte. Pas un terrain, malheureusement. J'ai pas encore défaussé à cause de trop de cartes dans la main. Ah bah attends, bah, tu te défausses là? J'ai 7 cartes en main, j'ai pas encore défaussé. Ah bah attends, je vais t'aider. Ah, ça marche. Pour 2, je joue des rats pourrissants. Chaque joueur se défausse d'une carte. Ouais, moi aussi, c'est ce que je me dis. Je vais me défausser d'une plaine. Un peu galère, j'ai pas mes trucs. Je vais me défausser de... Je devais se défausser de ça, là. Spiteful Repossession. Okay. Du coup, j'ai menti, hein, jeune. J'avais un rituel. T'avais un rituel, bah bravo. Ben, il fallait. Bah, de toute façon. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même alors. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ta faute. Ça aurait pas fait grand-chose sur le coup, il me semble. Ça aurait fait à chaque cousin égal à celui qui contrôle le plus de terrain, égal à la différence. Non. Tous ceux qui contrôlent plus de terrain prennent des dégâts, et je fais plus de trésors que de dégâts infligés. Ben, ouais. Tout le monde aurait pris un dégât parce que j'ai que 4 terrains. Mais non, mais c'est que les adversaires qui contrôlent plus de terrain qui prennent. Donc, oui, mais le Vanefire Border Post, c'est... Ouais, du coup, ça fait 4, j'en avais... Ah ouais, non, t'aurais quand même fait 4 trésors, 4 2 blessures à moi, et... Ouais. Une Alphi, une Aïs. Et j'aurais fait un trésor. Ouais. Ah non, égal au damage 10. Ah oui, c'est fort. Je vais défausser un grenadier Katari. C'est une bestiole qui fait des gobelins. Et qui se exhume pour trop cher pour ce que c'est. Mais du coup, je fais pas grand chose. Quoique, c'est une combien ton gros machin là? C'est une 4-4? C'est une 5-5. Et à chaque fois qu'il y a un dégât dessus, ça. Qui subit des dommages. Donc il subit des dommages. C'est subir. C'est... Bon. Ou subir 5 dégâts directs de la cultiste. Ouais. Ouais, bah, il est assez gros, je trouve. Fin de tour. On adore quand nos généraux coûtent 6 et qu'on stick à 5 mana. Ouais.
Ok. Dégagement. Pioche. Pathway. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais faire ça. Je vais payer 6. Et je vais jouer. Ok, thème de la déveilleur. Alors, c'est une 3-3 vigilance. Les autres soldats que je contrôle ont +1/+1 et la vigilance. Ouais. Et quand il entre sur le champ de bataille, je fais 3 soldats. Ah, ok. Donc, je vais en faire 3. Hop, ils sont où? Ouais, c'est des humains et soldats, ça ira très bien. Ouf, il y en a 3. Ouais. Ensuite, je vais taper le capitaine de la garde pour piloter mon Horde Hauler. Mm-hmm. Alors toi, t'as une 2-2. Une 2-2 et une 1-1. Et ben, je vais t'attaquer Rajan avec une 5-5 piètre. Tu m'attaques avec une 5-5 piètre. Oui, bah, j'ai pas d'effet. Hein. Ben, tu prends 5. Et t'as un artefact, donc je vais faire un trésor. C'est quoi ta carte? Rappelle-moi le nom de ta carte là. Horde Hauler. H-O-A-R-D, plus loin, H-A-U-L-E-R. Ok. Donc je fais un trésor pour chaque artefact que tu contrôles. Tu n'en contrôles qu'un, donc je fais un seul trésor. Est-ce que je les ai? Oui, ils sont là devant mon nez. J'ai un trésor. Avant de... En deuxième phase, je pense que je vais sacrifier ce trésor, faire un mana rouge, activer Jack 6, défausser... Ouais, c'est ça. Hein. Rassembleuse de rumeurs, pour faire une copie de mon capitaine de... Captain of the Watch. Donc, pouf. Donc il arrive en jeu. Je fais 3-1-1. Et ensuite, on va engager les 6 pour convoquer Benny. Ok. Fin de tour. Je vais avoir deux effets. Benny Brax qui va me dire que je pioche une carte si j'ai créé un token ce tour-ci. Donc je pioche une carte. Et celui-ci, quand il meurt, il va mourir sur l'effet de Jack 6. Et quand il meurt, je vais piocher une carte aussi. Attends. De toute façon, il va piocher une carte. Hein. C'est pas le problème, c'est que ça va mourir. Ça meurt, c'est pas exilé, ça meurt. C'est sacrifié au début de l'étape de fin. Mais c'est okay. Quand ça, et quand ça meurt, quand ça meurt, je pioche une carte. Ouais, ça c'est pas grave. Je vais lui mettre 1. Tu veux pas mettre un dégât à un des jetons 1-1 C'est des 2-2. Ah, des 1-1, c'est des 3-3. Ah ouais, oui, c'est des... Non, sinon je l'aurais fait, oui, j'aurais limité. Ah, okay. Il est sacrifié, ouais. Du coup, ouais, je pioche une carte. Ça marche. Et puis c'était ma fin de tour, donc tu peux y aller, Phoenix. Ok, yes. Donc moi. Je vais dégager. À ma phase d'entretien, Cosima va partir en voyage. Je vais la mettre à côté de mes terrains. Oula. Ouais, j'ai complètement oublié le trigger. Je m'en suis rendu compte un peu après que j'ai terminé mon tour, j'étais en mode ah mince. Alors ensuite, je pioche ma carte. Je vais payer 2 pour activer la capacité de Shigeki. Je renvoie dans la main. Je me meule de 4 cartes, dont un terrain qui va arriver engagé. Je vais mettre un marqueur sur Cosima. Je vais mettre le reste dans mon cimetière. Non, bon, ça, c'est pas mal ça. Ah, un token. On va enfin faire des tokens après 6 tours. Il reste 4. Je vais jouer un verger exotique pour mon tour. Je mets un marqueur, ouais. Je vais rejouer Shigeki.
je vais payer 3, renvoyer mon compte chevêtre mare en main, piocher une carte avec Tameshi, pour renvoyer depuis mon cimetière. Ouais, sort qui coûte 2. Et je vais ramener. Le champ de Frialise. Attends. Okay. Non, je pense que j'ai ramené le Brisebank Eliast. Excusez-moi. C'est de la carte. Right. Les gens sont, sont tristes, sont pas contents de cette carte en standard. Ah non. Ouais, 80% de Pro Tour. Ouais. Bah moi, ça fait... Ouais. C'est bien, les gens se plaignent de cartes que bah, moi en fait ça fait 6 mois déjà que ça me saoule. Il y a plein de gens qui disaient oh putain, je suis trop content que ça parte à la rotation. Et là, tu es ça. Hé, surprise! Et sur ce, je vais terminer mon tour et j'ai défaussé du coup d'un pont de chevêtre. Ça va se combiner avec des bans. Ça fait 6 mois que ça me saoule en fait le format de voir 4 reconnaisseurs, 4 machins, tu sais, de. Comment ça s'appelle? Ouais. De trucs, merde, l'enchantement rouge et 4 wedding invitation ou un truc comme ça. Ouais, j'en ai marre, c'est tous les decks qu'ils ont ça en fait pour exister et ça me saoule quoi. Je fais une armée rally sphère qui va me permettre d'aller chercher mes fucking mana, qui va me permettre de débloquer un peu ma situation. Ouais, faut pas déconner quand même, sinon c'est trop puissant, évidemment. Je vais aller mettre l'île en jeu. Et je réfléchis. Ça arrive pas en jeu engagé ? Non, ça arrive dans ta main. Dans ma main. Trop bien. Ça arrive dans ma main. Ouais. Alors, on joue avec des vraies cartes de l'extension, messieurs. Le mec il est salé. Je réfléchis en fait, qu'est-ce que je fais parce que. C'est-à-dire mon cimetière et mon cimetière et mon board, il y a plus de cartes de mon extension que toi. Hein. Mon cimetière et ton berger, c'est ça ? C'est ça ce que tu veux dire ? Ouais. En fait, vous commencez un peu tous à avoir des trucs chiants. Donc je pense que je vais continuer à harceler Higgs, comme ça il va me tuer, comme ça je pourrai aller me coucher et vous laisser vous débrouiller avec vos decks qui sont pas rigolos. C'est toi qui est chiant. Stop, il y a un deck pas rigolo. C'est vrai, excusez-moi. J'ai le seul deck rigolo de la. Bah qui cache mes deals. Bah non. Tiens, mon deck pas rigolo, il va tuer ton lord. Là, tu fais que ça. Ça s'appelle Grixis. Moi, j'ai un deck Grixis, il gère pas tout. C'est vrai. Non, mais il gère pas tout. Il ne gère que X, le mien. Et tu sacrifies quoi d'ailleurs en plus sur mon rat. Mon rat de merde. Comme ça, je pourrais rejouer pour 3, alors qu'il peut se rejouer pour 2. Ouais, comme ça, tu as des 1-1. Voilà. Et comme ça, tu es content, tu peux jouer les autres cartes de ta main, puisque j'irai chercher tes soldats. Est-ce que ça te va ? Fin de tour ! Fin de tour. Non, tu vas juste vouloir tuer, mettons. Je tue celui qui a le plus de créatures. Oh putain, j'en ai pas assez de gens. Me faire défausser tous mes terrains que j'ai été chercher. J'ai quoi déjà ? C'est quoi chaque capa ? Les zombies ont le vol. Point ! On s'en fout du reste. C'est vrai que c'est un peu ça. Hein. On s'en fout du reste, ils ont le vol. Tu feras gaffe, t'as quand même un zombie qui peut attaquer Alfie. Non, mais en fait. T'as mis tous les deux dans le même panier, mais. Ouais, si ça attaque pas, on s'en fiche. Ouais. Ah non, mais en fait, je comprends pourquoi il joue pas celui à 5. Parce que là, du coup, les deux ont la même capacité. Ah. Sacrifier un zombie, enfin, sacrifier une créature, faire un. Mais pas pour la même raison. Faire X, voilà. L'un c'est la force, l'autre c'est l'endurance. C'est marrant. Non, mais là, c'est exactement la même chose. Hein. Je veux dire, là, il. Oui, c'est assez. Ah oui. Bah après, est-ce que t'attaques avec ton zombie ou pas du tout ? Parce que sinon, ça sert strictement à rien d'aller en chercher. Hein. D'accord.
On prend une carte retournée, c'est pas grave. Oh là là, c'est pas grave. Eh, vas-y, joue. Le mec, il joue à The Zombie, il a même pas mis de truc à côté, quoi. Mais nul. Nul, Alfie. Nul. Moi, je prends deux. Et ensuite. Eh, dégagement. Pioche. Ouais. Ah. Oh oui, on va faire ça, c'est marrant. Il est 3. Ouais. Joué. Save the spotlight. Oh. Chaque adversaire va choisir gloire ou fortune. Chaque adversaire qui a choisi gloire, je prends le contrôle d'une créature que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour. Je la détape et elle a la célérité. Pour chaque joueur qui choisit fortune, je pioche une carte et je fais un trésor. Voilà. Trésor quoi ? C'est gloire, je prends une de tes créatures. Non, je sais, je cherche la carte. Seize the spotlight. Seize the spotlight. Ok. Alors, dans l'ordre, c'est Phoenix, en premier. Est-ce que t'as l'intention de faire des conneries avec mes créatures, du genre les sacrifier ? Ben, j'ai l'accès en jeu. C'est juste ça à dire. Ça permet de faire quoi ? Ben, je peux copier une créature. Ah ouais ? En plus, c'est... Mais honnêtement, Phoenix, c'est pas toi que j'ai envie de casser, les couilles. Voilà, c'est pas toi que j'ai envie de casser les couilles. Il y a du sel. T'as de la chance que la marche. Je crois qu'elle va marcher. Elle va pas marcher. Non, je suis pas sûr. Attends, j'étais bon. J'avais suivi le bon. Oh, allez, le bon spot. Je vais engager mes. Ah mais non, j'ai pas. On est d'accord que Save the Spotlight, ça ne cible pas. Non. Avant la résolution, du coup, si tu me permets, je vais piloter pour mon brise-banc. Ouais, bien sûr. Je vais te prêter un brise-banc. Non, mais c'est moi qui choisis. Hein ? C'est moi qui choisis. Pioche, pioche, c'est moi. Pioche, allez, vas-y, pioche. Allez, alors, pour Phoenix, c'est pioche et machin. Arjen. Tu peux piocher. Ok. Alfie. Tu peux piocher. Ah, machin. Je vais pas te donner mes généraux, quand même. Hop là, 3 cartes. Mais c'est bien ça. Hein, c'est marrant ça aussi. Arjen, t'es prêt ? Tu es prêt pour une petite saucée ? Pour toi, je vais jouer Indulge. Là, si tu la veux. Indulge. À chaque fois qu'une créature que je contrôle attaque, je fais une 1-1 qui est engagée et attaquante. Chaque fois que tu attaques, tu fais une 1-1 engagée attaquante, ok. Oui. Et du coup, il y a le machin là, Excess. Je fais un trésor pour chaque créature que je contrôle qui a infligé des blessures de combat à un joueur tour-ci. Putain, les cartes aftermath. Directement, c'est ça. Ensuite, comme ça va au cimetière. Ensuite, ce que je vais faire, je vais engager Benny pour piloter le Horde Hauler. Ouais. Je vais payer 1, déposer plein pour faire une copie du Hardballer avec Jaxis. Et donc c'est une créature, c'est ça ? Oui, ben non, c'est une créature, oui. Et je vais dire début du combat. Est-ce que tu as quelque chose à faire, Rajan ? Mais on n'est pas en 1 contre 1, hein, tu sais. Je sais que tu as envie de rentrer dans le duel commander dans ta vie, mais on n'est pas en 1 contre 1. Non, j'ai juste envie de te taper dessus parce que tu m'as cassé les couilles pendant 3 tours. Hein. Bah, si tu sais pas quoi, si tu comprends pas le commander, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ben, je suis pas le seul à pas comprendre. Bah, t'enfonces le problème, j'ai envie de dire. Ah oui, exactement. Donc, ne dis rien. Ben non, je veux juste te dire, début du combat, est-ce que tu as un effet à faire ? Non, je joue faire. Ok. Phoenix et Alphie, est-ce que vous avez quelque chose à faire ? Non, moi c'est... Non, je n'ai rien à faire. Ok. Eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quand même la copie chez Alphie. L'original, c'est Rajen.
Et les 6. Toujours chez Raven. Et du coup, il y a 6 city, il y a 6. Comment il s'appelle ? Machin Citizen là. Correct. 6 Citizen qui arrive en jeu. Ils sont là et ils vont attaquer par contre Phoenix. Hein ? Non, il y en a 8. Oui, 8. Voilà. 8. Il y en a 8, ils attaquent Phoenix. Je vais les stacker comme ça. Hop, voilà, dans ce moment-là. Est-ce que les gens ont des effets ou on passe au bloc ? Pas d'effet. Je vais en bloquer 2, moi, je pense, juste tout bêtement. Ah non, pas d'effet, du coup, désolé. Moi, je vais laisser passer les 5. Je vais bloquer 2 soldats. Ouais. Et je vais en tenter d'en tuer un autre. Ouais, moi, ça me va. On va prendre des dégâts. Et ben, on part sur dégâts. J'en prends 6, du coup. Et tu m'as tué les deux autres. C'est ça, j'ai bloqué les deux autres avec Shingeki. Donc, 6, il y a 6 trésors qui arrivent pour toi. Non, il faut d'abord que tu joues ton sort avant. Pour quel sort ? Bah pour Excess. Non. Ah oui, c'est vrai. okay. Oh, bah, je vais faire des trésors avec lui de toute façon. Le 5-5 qui te touche, Regen ? Le 5-5 a touché. Ouais, donc je fais un trésor avec lui. C'est 4. Et puis, ben, Alfie, il y en a. Il y a 5 qui te touchent. Ouais. Et toi, tu as combien d'artefacts ? 1 ? Moi, j'en ai un, oui. Et ben, un autre trésor. Mais il m'a juste infligé des blessures. Son effet ne s'enclenche pas. Ah, si, il va se déclencher. Ensuite. Bon, écoute, on va essayer. Hein. Pour 2, je vais tenter de le jouer, le XS. Et puis le cimetière. Pas de réponse. Pas de réponse pour tout le monde ? Ah, non. Réponse, okay. Et ben, je fais du coup pour chaque créature qui est touchée, donc 6, 5. Attends, tu m'en as tué 2 là. Donc, ouais, je t'en ai tué 2, tu m'en affiches que 3, j'ai pris les points de vie. 6, j'ai pris 5, 8. 4, 3, 2. Non, il en a tué 1. 3. Oui, il en avait 6. Ouais. 11, je fais 11 trésors. Avec ça. Ouf. Rien que ça. Rien que ça. Du peuple. Pour 3 trésors, partenaire prospère, quand il y en a sur son bataille, je fais 2-1-1 citizen. Attends, ça va être l'autre. Grosse partenaire, ouais. Je suppose. Et je peux. Partnership. Ouais. Et je peux engager 3 créatures détapées que je contrôle pour faire un trésor. Trésor. Ouais, c'est fort comme carte. Oui, c'est bien, j'aime bien. Je vais utiliser 3 autres trésors pour une sphère du commandant. Et je vais passer en fin de tour. En fin de tour, ça va le sacrifier. Pioche une carte. Et Benny, pioche une carte. Et voilà, fin de tour. Ok. Donc, t'as pas plus de cette carte, c'est bon ? Non, j'en ai 4. Je dégage. Je vais piocher une carte. Je vais commencer par jouer un terrain, activer Cosima, ouais. Payer 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour jouer un précurseur de la fin. Si tu fais ça, oh. Ça se dégage pour l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Et je peux l'engager pour faire une blessure à une cible, créature ou joueur. Bah, du coup, j'ai plus de créature bientôt. Bah, ça va quand même en faire que 3 par tour. Ou piocher une carte. Il y a pas mal. Ouais. T'as de l'incolore ? J'ai que ma tour de l'industrie qui me fait de l'incolore. Ouais, ok. J'ai rien d'autre. Bah, je crois qu'il veut aussi un peu clean de bord, moi. Et je vais. Activer l'effet de Shigeki. Le renvoyer dans ma main. Ouais. Ça marche. Mets les 3 cartes. Copter de contrebandier. Appel à l'unité. Tracker infatigable. Et dans du manoir. Hop. Et je suis triste. Ah oui, il n'y a pas de terrain. Mince. Est-ce que c'est une fin de tour ? C'est une fin de tour. Je vérifie combien j'ai de cartes dans la main. Je ne me dépose pas encore. Ok. Je pioche une carte. Je vais lander mon terrain. Mon beau terrain. Est-ce que je fais une carte dont X en a rien à secouer ?
Et Alfie aussi. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est... Je vois pas l'intérêt de buter mon précurseur de la fin avant qu'il réduit un petit peu le nombre de traits de jetons, parce qu'il y en a beaucoup trop, là. C'est vrai. C'est ça. Alors, si ça peut t'assurer, si ton précurseur meurt, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ah. Voilà. Ah bah oui, il va jouer Malfagor. Non. Non, c'est nul, je joue les cartes de ma main, moi, monsieur. Sachant qu'on les voit, en plus. Je vais jouer un contaminateur des âmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un démon 5-5 vols qui fait qu'au début de chaque entretien, au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur sacrifie une créature monochrome. Ah oui, c'est pénible ça. C'est cool. J'ai une créature monochrome, ok. Paniquez pas, on sera tous dans le même bateau, au moins un tour. Ok. Je pourrais pas sacrifier mon précurseur du coup. Non. C'est... Ouais, en plus. Là, du coup, si je joue plus que des créatures incolores, je suis bien. Moi, je vois le même du gars qui se tape la tête. Là. Et bah là, tu peux pas sacrifier. Écoute, il y aura plus Shigeki ou Tameshi. Il y aura plus Shigeki ou Tameshi. Tameshi, il va prendre par contre. Tameshi prendra comme il aurait dû prendre depuis le début. Voilà. Je dis fin de tour. Ouais, après. Moi, j'ai joué une mythique. Tameshi. En fin de tour, pour 4 mana, je vais jouer un fact. Alors, je révèle donc un Undead Alchemist qui fait que si un zombie contrôle devait infliger blessure de combat à un joueur, à la place, ce joueur se meule d'autant de cartes. Quand une créature est mise dans un cimetière depuis, je crée des 2-2. Un Sunken Hollow, un Murder, un Balfour's Cap qui fait que les autres zombies que je contrôle gagnent +1/+0, et un Sion of Alastair qui fait que les créatures commandants ont, la première fois que je vais piocher une carte, je regarde les deux cartes du dessus de ma bibliothèque, j'en mets une dans mon cimetière et l'autre je mets au dessus de ma bibliothèque et je pioche une carte. Et quel adversaire choisis-tu? Je vais à nouveau choisir Ragan. Voilà, moi je veux pas que tu mettes la carte multicolore en jeu, donc... Non mais hey, si tu me donnes les deux zombies, mais tout sur X. Et du coup, il va me poutrer, il va dire c'est ta faute, bam. Non, mais en gros, il va se meuler. Parce que là, les points de vie, c'est compliqué, mais il va se meuler. Et puis, la créature multicolore, tu dis je la veux pas en jeu, mais j'ai plein de créatures incolores à sacrifier de toute façon. Ouais, je sais. Ah, mieux, D'ailleurs, t'as sacrifié un. Ah oui, non, j'ai. Non, c'est en fin de tour, c'est fin de tour. Oui, c'est pas encore ton tour là. Alors, pas jeune. Ouais, je regarde. Fais-lui ouais, j'aime bien ton Undead Alchemist. Ouais. Donc, tu vas me le mettre façon, à droite. Non, de toute façon, tu fais que 2 piles et c'est moi qui choisis. Hein. Ah ouais. Et tu le mets à droite. Toc. Ouais. Tu mets le terrain avec. Ok. Alors, la noire a dit quoi? Et ensuite, il y a Murder, plus Fitch et un Sion. Ah oui. Je veux pas t'influencer, mais je crois que c'est bien comme ça. Ouais, ouais. J'hésitais. Mais j'ai pas envie que le reste aille de l'autre côté. Voilà, je le fais comme ça. Ok. Bah écoute. Est-ce que j'ai envie de booster mes zombies? Parce que, quand même, ça fait 6 de force. Ça fait 3. Ça fera 18, ouais. Non. Si, seulement. Ouais, non, ça fait que 10. Ouais, 10, ouais. Ok, ouais, bah écoute, je vais prendre ça. Hop. Ah, c'est 4 quand même à jouer. Oh, purée, en fait. ouais, c'est une 4-2. Oh, ça aurait été une 2-4, ça aurait été mieux. Ou pousser mes zombies. Allez, hop, on fait comme ça. Et ça va au cimetière, c'est ça? Ouais. Ouais. Hop. Parfait, la murder au cimetière. Le voilà, contaminateur. Ouais. Au bon endroit. Upkeep. Oh non, c'est fin de tour. J'ai toujours fin ça que je peux peut-être activer. On me donne. Est-ce que je me vole de cartes? Est-ce que je me vole de cartes? Non, allez, hop. Untap. Upkeep. Sac. Sac, je vais. Glissa. Non, en vrai, Jean Nimo. En
ce que je vais faire, c'est que je, en réponse au trigger, oui, j'enlève tout, mais je vais sacrifier. Non, tout, je vais sacrifier un des zombies. Je vais en créer du coup deux parce que c'est, ouais. C'est deux, et du coup, je vais en sacrifier un. Ok, parfait. Voilà. J'aime ce plan pour pas avoir à aller chercher d'autres jetons. Drô. Elles sont parfaitement séparées en plus, du coup il y en a un qui a. Voilà le Maldavoc et tout ça. Je vais lander un 5 Anolo qui arrive d'étape parce que je contrôle deux basiques ou plus. Et pour 1, 2, 3, 4, du coup, bah ouais, le Undead Alchemist. Yes. L'alchimiste est là, on va pouvoir meuler. Ouais. C'est la meule. Higgs, meule-moi. Est-ce que tu te meules de 10? Alors, j'ai une réponse. J'ai payé 4. En sacrifiant 4 trésors pour jouer Audacious Swap. Je croyais que t'avais, que t'avais des créatures. Tu disais que t'avais des créatures. Non, hein non, c'est toi-même qui l'as dit. J'ai dit que j'ai joué un gars de créatures. Ouais. Et il y a un coup de... Comment ça s'appelle Casualty en français? Je ne sais plus. De Fry. Casualty, voilà. Il joue... je vais sacrifier... Une créature avec force 2 ou moins. Ah non, non, c'est Fry. Je vais pas le faire que toi. Je vais pas le Casualty. Je vais juste cibler ton zombie qui, donne... qui fait la meule, là. Je vois pas c'est quoi ta carte, en fait. Ça arrête pas de bouger. Et moi, j'ai un Fry. Non, non, il faut pas que tu bouges. Ouais, c'est marqué swap, on va trouver avec swap. Hein. Ah oui, swap. Audacious swap. Je vais cibler ton zombar qui fait meuler. D'accord. Tu vas mélanger dans ton deck. Tu vas révéler la carte du dessus de ton deck. Si c'est un terrain, tu le mets sur champ de bataille. Sinon, tu le lances sans payer son coup de malin. Ok, l'azotep. Ok. Et ben, très bien. Tu peux amasser. Donc j'amasse un. Je peux deux. Et ça, tous mes permanents ou exproof. Moi, j'ai pas d'autre réponse à ça. Et puis, du coup, je meule combien? Bah, tu te meules de 10. Eh bah, allez. Mais attends, en fait, le truc, c'est que. Attends ou pas, attends. En fait, tes créatures qui sont meulées sont exilées. Hein. Ok. Pourquoi ils sont exilés? Bah, c'est la capacité, en fait. Ok, d'accord. Ah non, c'est pas bien, en fait. Quand une créature est mise dans un cimetière depuis la bibliothèque, tu exiles cette carte et tu crées une... Merde, je suis trop mauvais. 8, 9, j'ai pas lu la carte. 10. Donc il y a en créature, il y a Neyali. Et j'ai un peu de Garfactor. Donc ils sont exilés. Oui, c'est tout. Monsieur, je joue plein de... J'ai un ben, jeu tu m'as exilé. Il y a quand même pas mal de landes. Des landes. Des landes et encore des landes. Donc je crée 2-2-2. Ok. C'est ça ? C'est zombie ? Ok, d'accord. Et ensuite ? Ensuite, c'est une fin de tour. Ok. Dégagement. Du coup, c'est une 1-1 l'armée. Ouais, c'est une 1-1. Faut juste que je trouve un dé que je ne trouvais pas. Oh, ça c'est bien ça. Oh, je sais pas, j'aime pas ce dé là. J'adore cette carte, ça fait un moment que j'ai envie de la jouer. On met 13 à toutes les créatures. Non. C'est la carte qui fait rigoler tout le monde là. Sur l'Ibadjazor. Ah, moi j'adore. Moi ouais, j'adore cette carte. J'adore aussi. Quand je dépose une carte, si c'est une carte de créature, je mets un marqueur +1/+1 sur lui. Si c'est une carte de terrain, je fais un trésor. Si c'est une carte non créature, non terrain, il fight une créature. Ah non, en fait, c'est pas bien. Ah non, en fait, c'est pas bien. D'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié de sacrifier une créature monocolore. Et ben... Ouais, s'il te plaît. Je me sens quand même plus impacté par ce... Je vais activer... Le Horde Hauler. C'est pour essayer de faire la paix avec avec Higgs. Non mais je vais... Oui, c'est bon, t'inquiète pas, Rajem, tout va bien. Tout va bien, Rajem. Très bien, pam, ping. Ah oui. Activez Jackpots.
Ouais. C'est un currency converter. C'est une carte non créature en mon terrain. Donc le Badgezor va fight. T'as combien de zombies toi? Trop. Oh. Bah t'as mis combien de créatures là? De quoi? T'as exilé combien de bêtes, X? Surly, fight, j'ai exilé 2 bêtes. Bah il en a au moins 10. J'ai 5 zombies qui sont engagés, j'ai 3 zombies qui sont détapés, j'ai un zombie, enfin j'ai une armée qui est là. Ah oui, c'est une armée. Okay. L'armée, je peux l'enlever. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on fight? Donc, comment t'as... Ah oui, t'as activé la capacité. J'ai pas des signes hyper intéressants, je pense. Non, j'ai pas très envie de taper chez toi. Mais... Si tu veux, tu peux aller chez Phoenix, comme ça, Phoenix bloque avec Tameshi, comme ça, à son entretien, il sacrifie pas Tameshi. Ouais. Sinon, tu cherches des solutions. Sinon, tu peux fight des Filler of Soul pour ensuite le tuer. Hein. Bah non, 5-5. Ouais. Et c'est une 3-3, le machin. Et, bah, fight un zombie. Et du coup, tu copiais quoi? Qu'est-ce que tu parles de copier pour l'instant? Ah non, ils ont l'exproof, ces merdes. J'avais oublié. C'est le Horde Lord que je cible. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour. Le Horde Hauler, je cible. Le Horde Hauler, je te le redis combien de fois? Merci. T'as une copie du Horde Hauler. Mais là, tu fight avec le Brachiosaur parce que t'as défaussé une carte. Ouais. Et t'as l'exproof, Alphi, c'est ça ou c'était au tour d'avant? J'ai un doute. Non, c'était au tour d'avant. C'est, et bah pourquoi t'enlèves pas un zombie? Ah non, c'est oui, j'ai l'exproof toujours. C'était à ton tour que t'as fait le truc. Ah non, c'était à mon tour. C'est à mon tour, il a fait un éphémère. Audacious, il a fait un éphémère. Ah, du coup, tu peux fight un zombie. Ouais. Ou la 4-2 si tu veux. Je peux fight un zombie. Ouais, mais la 4-2 va mourir. Ouais, c'est un peu ça le problème. En fait, un zombie. Et puis, du coup, j'ai une copie du Horde Hauler. Zombie qui est détapé, je suppose. Oui. Tu as bien compris. Non, est-ce que la copie, elle est pilotée? Non, la copie n'est pas pilotée. Bah si. Ensuite, non, j'ai déjà fait ça sur Arena, c'est pas piloté. Ah bah, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au tour précédent, normalement, je prenais pas 5 alors. Ouais, mais c'est trop tard. Je vais le piloter, du coup. Ouais. Deuxième. Et puis, bah, on va attaquer Alfie avec les deux. Et puis, les 8 aussi, là. Vas-y, go. Bah, écoute, il y en a avec les... Je vais bloquer trop... Mes 3 zombies, du coup, vont bloquer tes 1-1. Et puis, je vais prendre 10. Là, tu prends 5 et tu prends 15. Il y a encore 5-1-1 hein, qui passe. Ah, 5-1-1, d'accord. Bah, j'en prends 5 de plus. Attends, excuse-moi. Je suis à 25, j'ai bloqué encore une avec mon Géralf et puis une autre avec mon Undead Alchemist. Okay. J'en prends toujours 3 de plus. Ouais. Toujours 13 à prendre. Ouais. Et puis je crois que je vais aller en fin de tour. Du coup, je vais sacrifier ça, piocher une carte et piocher une carte sur Benny. Ok. C'est bon pour moi. Tu restes combien de zombies, Alfie? Il m'en reste 7. 7. Et t'as combien de tokens encore X qui sont engagés là? C'est combien? T'en as combien? On est 3 là. Ok. Et 1 là. De toute façon, il n'y a plus de machin. Je vais cibler ta création, ton jeton qui est disparu. Ah oui, d'accord. Pour booster. C'est bon. Tu peux aller, Phoenix. Ok. De ma part, en tout cas. Mmh. C'est bon. Dégagé. Passer en phase d'entretien, du coup, avec le trigger de qui me demande de sacrifier une créature monochrome. Ouais. Je vais y répondre en enchantant, si possible, Tameshi avec une reconfiguration expéditive. Cette lâcheté. Ah, yes. Cette lâcheté, mais c'est pas possible. Attends, j'ai une réponse. Ah. Bah non, j'ai pas une réponse. C'est, je vais le laisser se résoudre et je vais monter sur la pile du Soul. Du Soul, ouais. Et je vais payer... Oh là 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 là. 4, je vais jouer écraser la contrebande, je vais exiler un artefact et un enchantement. Donc l'enchantement ça va être secret configuration. Et artefact ça va être ton border post Ragen. Mon border post, je vais prendre un mana. Ouais. Parce que moi je fais mana burn encore. C'est exilé. Okay. C'est exilé. Ouais, ça va.
exiler ma propre configuration, je me vengerai. je le crois bien. Du coup, tu peux sacrifier une créature monochrome, s'il te plaît. Je vais le remettre Tameshi dans l'exil, enfin dans la zone de commandement. C'est Crush Contrabande. Ouais. Comme ça. C'est sympa, hein, quand même, comme carte. Moi, c'est sympa. C'est cool. Je sais pas, moi, je trouve ça relou. C'est relou dans le contexte. Et puis en plus, c'est exilé, quoi. C'est même pas. T'as pas perdu un enchantement. C'est une question de contexte. Alors. Du coup, est-ce que tu joues une créature monochrome Non, moi je pense que je vais emprisonner dans la lune Jaxis. Ah. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Coup, fallait garder l'exil en chance là. Ouais. On s'y attendait pas. Ok, Jaxis. Ah, il s'est vengé. Jaxis est une lune. Je l'ai révélé tout à l'heure en plus. C'est vrai. Il y a de la distraction dans les rangs. Et puis je vais. Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Combien il coûte, Benou ? 4. Ok, bah je vais. Il coûte... 4. Non, il coûte 4 et s'il meurt, il coûtera 8. Ok. Donc, il a la convocation. A noter qu'il a la convocation. Je vais payer un mana et je vais lancer une fin prismatique. Avec combien de mana ? Alors, un mana. Un mana noir. Oui. Un mana rouge, un mana blanc et un mana bleu. Ok. Exilé. Et je vais. Donc, du coup, tu as perdu un point de vie, c'est ça ? Ouais, j'ai perdu mon point de vie. Donc, ça reste là. Ouais. Je vais. Du coup, j'oubliais, j'ai mis un marqueur sur mon. Ah oui, mon pilon. Bon. Je vais faire mon regard. Après, c'est pas toi qui gagne le mana de emprisonner dans la lune, Phoenix CX. Hein. Non. Ouais. Non, non, mais il faut bien qu'il mette toujours son enchantement en jeu, quoi, pour s'en souvenir. Du coup, je vais quand même faire mon regard. Hein. Je vais mettre. Bah, chez Higgs. Ah, j'en ai pas. Ouais, je devrais mettre. Ah, tu mets une carte. Avec un gros texte. Oui, il faudrait qu'il soit inversé. Son... Oui, il faut pas quoi, la mettre chez toi. Attends, regarde. Je vais prendre un truc. J'essaie de le trouver. Du coup, je vais jouer une plaine. Augmenter le nombre de cartes sur Colim. Enfin, le nombre de marqueurs de sur Colim de 1. Et je vais jouer un tambour saut de feuille. Okay. Et avant la fin de mon tour, je vais engager mon précurseur de lapin pour péter un jeton à Inks. Ouais, celui qui est dégagé, je suppose. Ouais. Et je termine mon tour, du coup. Je prends mon tour. Est-ce que tu détapes ton Engbringer à la fin de ton tour ? Je vais l'étape de dégagement, ouais. C'est ça. Each other player on top. Ah non, c'est autre joueur. Ouais. Ah oui, untap step. Donc c'est. Oui, c'est là. Dragon, si tu veux collaborer pour tuer des des jetons. On peut s'arranger. Ah, tuer des 2-2. Intéressant. Ouais. Mais moi, ça se détape pas, c'est ça le problème. Je pense que j'ai assez embêté X pour un bon moment. Oui, là, c'est bon. Tu m'as mis dans la sauce. T'en as encore combien, Alfie, des 2-2, tu m'as dit 7. Ah, il y a beaucoup, là. Bon, déjà je sacrifie. Moi je peux le faire qu'une fois, hein, de toute façon ces trucs là. Ouais. Je vais piocher ma carte du tour. J'ai landé mon tour. Ma perte d'artefact n'est pas présente. Je peux jouer un truc rigolo. Je peux jouer un truc rigolo. Comme c'est décalé, du coup. À quel point je peux jouer un truc rigolo ? On peut tuer une 4-2 en même temps. Ce serait peut-être bien que la 4-2 meure en vrai. Après, là pour le moment, moi je me concentre sur Higgs, donc. Ah, bah ouais, c'est vrai! Non, mais oui, mais ça, je l'entends très bien, ça, mais voilà, quand je l'entendrai plus. Voilà, on sera où? Dans quelle étagère? Voilà, exactement. Moi, j'ai envie de jouer des cartes. On m'interdit, on me spoilie. Tout ça. Je vais.
je vais payer 5 pour jouer des vraies cartes. Le problème, c'est que j'ai pas pour l'instant de vraies cibles. Malfégor. Non, ça coûte 6, Malfégor. Non, je vais encore jouer les cartes qui sont dans ma main. Putain, mais ton commandant. Bah ouais, mais il a vendu, t'as pas arrêté de le vendre, t'as dit, mais il est trop bien, Malfégor. Non, j'ai dit qu'il était nul. Je sais pas si j'ai dit qu'il était trop bien, Malfégor, c'est l'autre que je trouve trop bien. Bah, c'était la vraie carte que t'avais en LAP. Ah oui, oui, mais je l'ai pas joué, tu les joues pas les cartes de la paix à l'époque. Ouais. T'es ouf! Et la carte qu'il y avait dans Zendikar, c'était Emrakul. Tu joues pas Emrakul? Et bon, en fait, ils sont revenus un truc qu'ils faisaient avant dans la marche des machines. Avec les cartes qui filaient en plus là. C'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Du coup, c'était pas clair, personne comprenait. Non, je voudrais bien jouer Cédric, mais il me manque un mana pour. Deux mana, mais il me manque deux mana si je veux faire un exhume dans le même tour. Ah. Donc, pas très intéressant. Non, j'ai envie de jouer une carte sympa, je veux juste une vraie cible. Parce que vous avez que des cibles de. Bah, le zombie 4-2 là. Bah ouais, mais. Non, la 4-2, je pense qu'on la tue, on va la tuer avec. Avec Phoenix. En effort collectif. Bah, je pense, non. Comme tu veux, oui. Moi, si un ping y part dessus, je mettrai le nerf. Je pense que ça va être c'est la meilleure carte, ouais. La lune, elle est sous quoi? Sous Jack 6. C'est Jack 6. Ouais. Bon, elle est bien où elle est, en fait. Je sais bien. Ce que c'est pas hyper intéressant. Je vais faire un déni de réalité. Qu'est-ce que je disais de chose ? Alors ça va, c'est un sort rituel qui me permet de renvoyer le permanent ciblé dans la main de son propriétaire et ça a cascade. Ah ouais. 4 ou moins. C'est pour ça que tu voulais faire sur la lune. Mais c'est pour ça que je cherchais quelque chose. Bah après, cela dit, si ça peut t'aider, Jacques 6, c'est une créature monocolore et je commence à plus en avoir beaucoup. Bah t'as beaucoup de jetons. Bah c'est des bicolores, c'est des citizens. Ah, des citizens. Ils sont verts et blancs. Alors moi je pensais plutôt enlever la glissa. Ah ouais. La fausse glissa. La glissa. C'est Giza. C'est glissa. Les gens ils ont voté pour glissa. Glissa, c'était moi qui l'ai joué. Je pense renvoyer. Déjà tu fais ta cascade, Ragen. Oui, déjà je fais ma cascade. Non mais il faut quand même que j'ai une cible. Cascade ou pas, il me faut une cible. Oui. Donc il faut une cible. Je pense que c'est Giza quand même. Ah, il a dit bravo, 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 bravo. On applaudit. On applaudit. On va voir maintenant la cascade du déni de réalité qui va arriver. 12 terrains et je vais pleurer. Un terrain, je pleure. Plus que 11. Ah, de toute façon, voilà. Le fameux enchantement qu'il faut avoir des créatures à 5 qui arrivent en jeu pour que ça fonctionne. Oui, ça marche pas. Le terrain. Terrain. Plus que 9. Ouais. Ah, ils étaient bien quelque part. Oh, -3/-3 à une créature. Et ben voilà. Bah, on va jouer ça. On tue quoi maintenant? Le truc de Higgs qui est 3-3. J'aurais plus rien à sacrifier. Bah t'auras encore ton. Ah, il y a ton véhicule, ouais, c'est vrai, il y a que ton véhicule, tu peux pas. Écoute, je vais tenter de tuer ta 4-2 maintenant, Alfie, comme ça on en parle plus. Avec le -3/-3? Ouais. Alors je vais tenter de diminuer la force de ton. Du brontosaure de Higgs. Ouais, c'est 0-3. Et la défense de ton. Il y a deux cibles. Ouais, il y a deux cibles. Ouais. Ça devait être trop fun en limité, ça. Ah bah, ouais, il y a des cartes qui se perdaient, ouais. Je vais. En termes de tricks de combat, c'est impressionnant. Engager, j'ai pas du 3 points. Ah ouais. Et je vais. Ah, c'est dans le coup. Ah, c'est cool ça. Je vais sacrifier mon Undead pour faire une 2-2. Ouais, ça marche. Je mélange le truc. Voilà. Et je renvoie Giza dans ta main. Oui. Giza est dans ma main. Voilà. Et je vais me permettre une phase d'attaque chez X parce qu'il a 42. Oui, je prends 5 vols. Ouais. 5 vols. C'est parti. Tu peux y aller. Okay. À la fin de tour, je crois que je vais rajouter un point de dégâts avec mon précurseur. Ouais. Et toi, tu peux cibler les joueurs. Ouais. Non, c'est fort. Ah bah moi, je fais que je peux avec la mienne.
Est-ce des bavaillements? Je vais demander une Nordengrund rivière. Ouais. Alors, ouais. On va... commencer... Alors, on va commencer par mettre 6 à Higgs et 10 à Ragun. Tu attaques avec 2 zombies, c'est ça? 5 de 2, vol. Okay. En réponse, je vais aller mettre un point de dégâts à un des zombies. Je vais... Un des zombies qui attaque... Okay. Je vais mettre sur le même. Je vais mettre sur le même zombie. Je te pingerai pas pendant un moment. Donc je prends 8, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai pas ah, non, c'est... Ah oui, c'est bon, il n'y a oui, plus l'autre 8. Truc. Ouais, c'est ça. Ah, je suis à 10. C'est dur. Je t'attaquerai pas, moi j'aime. Gentil. T'as enlevé un zombie hein, au début de ton tour, Alfie, on est d'accord hein. Ah oui, c'est vrai que j'oubliais. Donc, j'ai gagné 2 points de vie. Ah non, il attaque pas. Ah yes. Ouais, tu vas prendre que 4 du coup. Ah je. X. X va prendre. Oui, c'est moi qui prends 4. Ah yes, je suis encore à 32. Coup dur pour Guillaume. Et ensuite. Bon, je sais que je suis mort, mais bon, côté. Pour 2, et on va faire pour ensuite. Ah, t'es pas encore mort. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Près du coma que toi, hein. Là, c'est beaucoup, ça. Ouais, on va faire un Dread Summon. Chaque joueur va se meuler de 8 cartes. Et pour chaque créature mise dans cette cimetière, de toute façon, j'ai créé une 2-2 engagée, malheureusement. Donc 1, 2. Tu les exiles pas, c'est bien. 4, 5, t'as dit combien 8 cartes 10, 7, 8. Okay. Ouais. Au revoir, tous mes terrains. Tous les terrains, j'ai une créature qui est tombée sur le terrain. Non, le Soulfire! Le Nicole Bolas! Le Nicole Bolas! Nicole Bolas, non! Nicole Bolas, la capsule! Aucun terrain. Bravo! Aucune créature. J'ai une créature. 1, 2, 3, 4, 5 terrains. Il passe. Passe à Zinedine! C'est 8 cartes. Hein. Oui, bah oui. J'ai deux autres spells. Okay. Oh là là. Donc moi ça fait 4, donc 4, 5, 6, 7, 8, et Ragan t'en as combien? 0. Ok, bah, du coup je crée 8 zombies. Hop. C'est un deck créature, moi aussi. Attends, t'en as eu que 8, t'en as eu combien de ton côté Alfie? Moi j'ai eu un Loyal Subordinate, un Lilian Évodé, un Dev Baron et un Nargoul. Okay. Ça fait 4. Ça manque de chance tout ça. Hop. Okay. Et vu que j'ai engagé tout mon mana, je dis une fin de tour. Dégagement. Entretien. Je vais engager le Badge Zor pour faire une créature avec le hauler et sacrifier le hauler. Espèce de lâche. En vrai, je sais même pas pourquoi je le garde. J'axis, c'est une lune. Bravo. Et pioche. T'as quand même véhiculé, je suppose. Non. Ah ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ça va être ça. Alors, pour 3. Bon, attends, autant utiliser la lune. Suivante du mage. Quand on arrive sur ma taille, je crée une 1-1 bleu sorcier avec 1 avec une capacité qui dit pour 1, je sacrifie cette créature. Je contrecarre un sort non créature ciblée à moins que son contrôleur ne paye 1. Ok. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3, 5 pour jouer l'équipe d'assaut Keld en coup de kick. Quand la sèche bataille, c'est été kické, je fais 2 soldats, 1-1, blanc. Voilà, ça il y a du fodder là. Ah, on peut sacrifier. Et tant qu'elle est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, les créatures que je contrôle ont la célérité. Mais en vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2, 3, 4, 5... Oh, attends, les créatures qui viennent d'arriver, bon. Bon. On va payer 4 ici. Ouais. Ici, plus de trésor.
ici et 5, 6, 7, 8. Voilà, comme ça. Mm-hmm. On jouait Benny. Ok. Et puis, on va aller au combat. Non, au début du combat, je vais engager lui pour piloter le Horde Hauler. Je vais attaquer Alfie. Normand. Ben oui, tu viens m'attaquer pas. Et 4 points de vie. Allez, tiens. T'as 5 trésors chez Phoenix. C'est vrai. Mais et Phoenix. 4 trésors. Et Phoenix peut bloquer. Je peux bloquer avec une 5-5. Hein. Oh, mais bien, oui, oui, c'est bien. Non, c'est bien. Hop. Horde Hauler chez toi, Phoenix. Et les 3-1-1 chez toi, Alfie. Ok, le Horde Hauler, c'est une. 5-5. Piette. Donc, moi, je me prends combien ? Bah, c'est 3. C'est une combien ? Il y a 3-1-1. 3-1, bah, il y a une des 1 qui va se prendre un Giralf. Ouais. Donc, je prends 2. En vrai, j'ai aucun gros cul. Ah non. Ok, bah je prends 5. Ok. Et du coup, je fais. T'as combien d'artefacts, s'il te plaît ? Alors, j'en ai 1, 2, 3. Et ben, 3. Ah oui, j'ai confondu avec son. J'ai aucun land. 3 trésors. Ouais, la lune, tu peux l'enlever, Phoenix, maintenant qu'elle a le jeu. Ouais, c'est vrai. On va considérer qu'elle est. Elle est en face. J'ai plus assez de mana pour ça. Donc je vais passer le tour. Enfin, je vais pas déclarer une fin de tour. Faire quelque chose. Je vais ping Alfie avant la fin du tour. Ok. Je prends. Et après, fin de tour. Ok. Je dégage. Je n'ai pas de créature monochrome, du coup, je ne sacrifie rien. Je cache une carte. Oh, ah. Oh, ah, Pour 5 mana, je vais rejouer Tameshi. Ouais, du monochrome. Ouais, il y a un problème. Pour 3 mana, en comptant. Enfin, en vrai, il y a toujours Cosima, mais bon, Phoenix choisit. Allez. Pas le oui. Ça pour piocher 14 à la fin. Je vais ramener une transformation de Kenrith en remontant Otawara en moi. Ah. Et la transformation de Kenrith va aller cibler le truc qui me force à sacrifier mes créatures monochromes. Ah. Le cultiste. Le cultiste. Ouais. Du coup, je remonte Otawara en moi. Tu peux piocher. Transformation Kenrith, je vais piocher une carte. Je vais activer la capacité de Tameshi. Engager mon peuple de l'île. Il est arrivé ce tour-ci, je sais plus, tu peux ? J'ai pas la carte. Ouais, déjà. Tameshi, t'as pas besoin d'engager. Je croyais qu'il fallait engager. Du coup, je vais renvoyer en main. Qu'est-ce que je crois ? Mon berger exotique pour ramener du coup un artefact qui coûte 0 ou moins. Un terrain. Le pont de Chevêtre Mar. Waouh. Wow. Value. Puissant. Je vais ramener. T'aurais pu l'exiler. Et je vais piocher 6 cartes. J'ai pioché 5 cartes. Oui. 5 cartes et il va y avoir 5 marqueurs plus 1. Vas-y, moi, c'est pas au début de ton entretien qu'il faut choisir ? Ouais. Non, c'est à chaque fois que tu. Chaque fois que je lance Fall que je choisis. Je te laisse lire le texte. Je tue. Je pioche 5 cartes. Cosima. Ok. C'est le genre de cartes. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien ? J'avais envie que ça soit bien, je crois, quand je l'ai vu. Je l'ai joué en standard, je crois. En bleu-rouge. J'ai jamais été très...
convaincue de ce qu'elle pouvait faire. C'est un peu compliqué, ouais. Bah, tu vois, dans un jeu là, comme ça, une soirée un peu cool comme ça, bah, ça fait des trucs. Ça pioche. Pioche, ouais. Tu mets un où Je vais le mettre. Je vais le mettre sur Alfie encore. Ok, bon, je suis à 18. Je pioche du tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bah, ça va. Je vais me défausser d'un canon fougueux, d'un mire doré. Et c'est moi qui joue des mires. Ouais, je sais. D'un jokai. Je vais pour un bleu. Enfin, le tour du siècle. Pour un bleu, je fais une désinvocation. Sur quoi ? Berger exotique. Sur un elk. Ah. Je vais envoyer le contaminateur. Ah oui. Le rejoue. Et je vais me défausser de Tokazia, je pense. 20 tours, Alfie, tu peux sacrifier une créature. Ouais. Top, j'ai sacrifié. Hop, il va passer donc à 3. Toc. Et le Endbringer, s'il veut faire quelque chose, c'est maintenant aussi. Oui, je vais ping X, excusez-moi. Ouais. Ok. Alors. Une ville que la partie se termine. Je vais engager un noir. Il serait pas mal, ouais, c'est plus dur que ce que je pensais. Hein. J'ai joué un Graf Harvest, les zombies. C'était ont la menace en longtemps. Plus au cas où. T'as combien de zombies? J'en ai 13. Quoi? Il vient d'où là, ton 13 là? Comment ça se fait que t'en as plein? Bah, parce que putain, il a un 8 au tour précédent, moi. Ouais, bah j'ai oublié. Oh! Tout de suite là! Je vais en mettre 6 Shiragan. Attends, excuse-moi, ton truc. Oui, t'en mets 6 chez moi, ok. 6 et donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en reste donc 7. Attends, je reviens. 7. Et il faut trouver le 6. Hop, voilà. Et 3 chez Higgs. Ok. J'ai pas de bloqueur. Phoenix, est-ce que tu m'aides pour enlever un zombie? Ouais, je vais aider à péter un zombie. Je double bloque et j'en tue un autre. Alors comment tu double bloques en sachant qu'ils ont le vol et la menace? Bah je vais... Qu'est-ce qui leur donne la menace déjà? C'est l'enchantement. Ça donne la menace, ça donne le vol. Attends, c'est quoi ça? Merde, c'est 4. Ton avis, pourquoi j'en ai mis 6? Parce que je sais que vous pouvez en tuer un et que t'es à 10 points de vie. Donc. Ça laisse à 2 points de vie du coup. Attends. C'est bon, Non, ça tue. Parce que ça fait, 5 x 2, ça fait 10. Donc même s'ils ont tué un. Oui, non, mais je pensais que le cultiste volait, je sais plus pourquoi. Rien sur le board qui peut m'aider. Non, mais il y avait le Endbringer qui avait un peu de texte, mais je peux sacrifier la sphère pour regarder si j'ai une carte. C'est le moment peut-être. Je suis désolé, je peux pas faire de l'incolore avec. Non, j'ai rien de. Je vais finir le zombie que Phoenix a pingé. D'accord. T'as enlevé un de tes zombies déjà, on est d'accord. Hein. De quoi? Bah sur le contaminateur. Bah oui. Non, mais je sais plus, j'ai pas suivi. Et du coup je meurs. Après si tu veux, je peux en enlever un autre et X en prend deux de moins, mais bon. Bah non, si tu veux me tuer, tu veux me tuer. Écoute, j'avais une hache de lave pour trois personnes. Voilà, t'as pas voulu que je la joue, À moins que je me sois pas sacrifié. Non, c'est bon. Mais ça, je l'ai pris en draft. Les haches de lave, c'est no fun. Les haches de lave. Aucun fun la hache de lave en draft. en scellé d'avant-première. Hein. Non, c'est trop drôle. Secours. Oui, mais hache de lave, ça inflige que 5. Bah là, ça inflige 5 à. Ouais, mais là, c'est une hache de lave multijoueur. Mais en plus, c'est le éphémère, c'est-à-dire que genre oui, phase d'attaque, tu te fais. Machin, tu dis, mais le mec il attend la fin de ton tour, il fait. Tiens, tu meurs. Tu meurs. Happy.
Et c'est une fin de tour, Alfie ? Ouais. Ok. Dégagement. Tiens, pioche. Attends, non, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Oui, non, c'est bon, c'est fin de tour. Désolé, le mec qui est en mode. Ok. Alors, on va commencer par ça, je crois. Hein ? Cédric n'a pas fait, n'a pas fait honneur au plan. Ah mince, merde. Il est plus, c'est pas grave. C'est chier. Allez, donc. Pour 4, je vais jouer le pactole en me défaussant d'un pugiliste pugnace. Il est où ton pactole ? Ah, il est là. Ok. Donc, je vais piocher 2 cartes, créer 2 trésors. C'est marrant pour un jeu créatureux de jouer pas mal, beaucoup plus de. Si t'es pas content, c'est pareil. J'ai un land. Si t'es pas content, regarde, je vais jouer une créature. Ah. Magicien de spectacle. Quand on arrive sur le champ de bataille, je choisis l'un. Je sais pas si je fais un trésor, je sais pas si je fais une 1-1 verte. Machin. Je vais faire une 1-1 verte. Verte et blanche. Faut rien. Ensuite. C'est là qu'on essaye. Pour 4. Vie de la fête. Ah, vie alors, de la fête. C'est une 0-1 pour 4. Qui a l'initiative, le pissement et la célérité. Quand il attaque, il va gagner plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. S'étant le nombre de créatures que je contrôle. Quand il attaque, quand il entre en champ de bataille, si c'est pas un token, donc c'est pas un token. Vous allez tous créer un token qui est une copie de celui-ci. Et les tokens sont incités jusqu'à la fin de la partie. Donc, Alfie et Phoenix, vous avez tous les deux une vie de la fête. Je vais chercher ça. Ou alors je me perds. Je sais plus où j'ai mis mes jetons copie en fait. Ensuite. C'est quoi le nom de la carte en anglais ? Life of the Party. Comme ça. Je sais pas pourquoi chez toi, X, ça marche pas bien le spell table. Ouais. Bizarre parce que. Non, mais c'est clair, c'est propre, mais. Life of the Party. Elle marche pas. Elle est un peu... Alors. Initiative fiétinement célérité. Quand il attaque, il y a plus un. X étant le nombre de créatures que tu contrôles. Tournament. Chaque joueur crée une token qui est une copie au hit, d'accord. Ce token are good for the rest of the game, d'accord. Alors ouais, faut que je trouve un... Bon, j'aimerais aller au début du combat. Ok. Enfin, moi, j'ai rien à dire. Je vais toujours au début du combat. Je vais piloter le Horde Hauler. Et je vais attaquer... Alfie avec tout ça là, avec ces deux-là. Ah, il y avait une 0-1 que j'aurais pu pinguer. Hein du coup, c'est une 1. Life of the Party, 3, c'est 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, mais elle arrive 11. Après. C'est une. C'est une 11. C'est une 11-1. Ah, voilà. Donc, j'ai une copie. T'as 11 créatures là ? Oui. Putain, la vache. Attends, 11 créatures ? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, excuse-moi, 12. C'est 12, 1. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Et il a le initiative Trample Heist, hein, on n'oublie pas. Ok, ouais. Donc il y a juste ce machin qui m'attaque, c'est ça ? Non, et le hauler aussi. Le hauler. D'accord, donc c'est une 12-1 et une 5-5, c'est ça ? Effectivement, les deux. Oui. Ok. Un, deux, trois, quatre. Du coup, je vais exiler un Headless Rider de mon cimetière. Je vais créer un zombie. Mmh. Hop, on va recommencer. Mmh. Non, ceux-là, ils sont engagés. Ceux-là, ils sont dégagés. Parce que j'en avais gardé.
Hop. Ouais. Donc ça c'est un. J'en ai exilé un deuxième. Voilà. Hop. Donc j'en ai deux. Et maintenant, faut que je bloque. Faut que je bloque et faut que je bloque intelligemment. Et puis de toute façon, je vais mourir avec l'attaque de Phoenix, je suppose. De toute façon, il en a. Il en a un qui va être obligé d'attaquer aussi. Ouais. Qui va être obligé de m'attaquer moi, mais qui va être beaucoup moins gros que les tiens. Donc j'ai une 5-5. Et une 12, c'est ça? Ouais, 12-1. Bah écoute, je pense que je vais... Les deux piètes, hein. Oui, oui, non, mais j'ai entendu, ne t'inquiète pas. Je réfléchis. Ouais. Je vais... 5 oui, de toute façon, ils vont tous mourir parce qu'il y a l'initiative, donc... Mais je vais pas me prendre beaucoup, ok. 5 vont bloquer le life of the party. Mm-hmm. Et 1 va bloquer l'autre. Ok. Donc au total, tu perds tous tes zombies et tu prends 5. Ouais, c'est ça. Et t'as combien d'artefacts, s'il te plaît? J'en ai un. Du coup, j'ai un trésor. Voilà. Et puis, c'est tout pour moi. C'est bien, fin de tour. Je vais te ping. Ouais. Je crois. Tout dégager. T'as combien de mana, X? J'ai... Ouais, 5 trésors. Et 2 cartes en moins, une seule? Une seule, carte en moins. Ok. Ben, j'ai potentiellement... ouais, un peu plus de trésors. J'ai potentiellement 7 mana. Ok, disponible. C'est tout. Non, c'est 8 mana, excuse-moi, 8 mana disponibles. Je vais payer 5, mmh. Activer la capacité de Tameshi, envoyer un pont de chevêtre par en main. Oui. Pour ramener. Un truc à 4. Ouais. La mycosynthèse empiétante. Tous les permanents ouais. Que je contrôle sont des artefacts en plus de leurs autres types. D'accord. Pareil pour les sorts de permanent, les cartes de permanent que je possède qui ne sont pas sur le champ de bataille. Ça, c'est un truc qui aime bien jouer ça. En effet. Du coup, je vais. Un terrain. Payer. 4 manas. Rejouer. Des chars. Ancêtre de l'apôtre. Pourquoi j'ai mis mon cimetière à l'envers ? Ok. Et ensuite, pour 0 mana, je vais jouer un colosse de métallurgie. Oh, attends, j'ai un doute. J'ai mal fait mes maths. Il ne coûte pas 0. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi, je vois 11. 1, 2, 3, 4. C'est les autres 5, ou c'est 6, lui 7, 8, 9. Non, ouais. J'ai mal fait mes maths. Notre land permanent, you control. Donc c'est lui-même. C'est Metalwork, c'est. Oui, mais les. Land créature artefact, you control. Donc du les coup, toutes créatures. Est... Oui, mais tous tes terrains sont des dans les artefacts. Ah oui, j'ai aussi un emprisonné dans la lune. Non, mais même avec juste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8, 9, 10, 11. C'est le coup de mana. Il faut que mes cartes. Enfin, voilà. Mais du coup, j'ai oublié un prisonnier dans la lune, du coup ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, excuse-moi, je croyais que c'était le nombre d'artes de trucs, ok. Et du coup, effet de décharge, je vais pouvoir ramener une créature qui coûte 3 ou moins sur mon champ de bataille. Oui. Je vais choisir un familier de filigrane. Donc quand il arrive, tu gagnes des points de vie, quand il meurt, tu pioches une carte, c'est ça? Je gagne 2 points de vie. Je vais utiliser mon précurseur de la fin pour faire
un dégât X. Ouais. Et je vais attaquer avec mon, ma ville la partie. Je vais faire... Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Moi, je vois cette créature. Oui, t'as raison, cette créature, pardon. Ok. Termine mon tour. Ok. Je vais détaper. Je vais piocher. Entretenir et piocher. Bon, écoutez. Je vais payer un. Je vais jouer un champion de The Perished. Oui. Je vais payer 3. Je vais jouer un Cemetery Reaper. Mmh. Donc. Hop. Donc je mets un marqueur sur lui. Et pour 4, du coup, je vais exiler un Vengeful et je vais créer un zombie. Et je vais mettre un autre marqueur dessus. Hop. Mais ça va être une grosse bébête aussi, ton Life of the Party. Ouais, mais bon. De toute façon, lui, il est obligé d'attaquer hein, parce qu'il est good. Mm. Sur Phoenix. Phoenix, tu prends les... Il est combien, Alfie? Bah, il est... De toute façon, il a juste... Alors, donc 1, 2, 3... Il a petitement, donc ça compte quand même. 5 et 8... 13. Mmh. Phoenix, 13, 1, qui t'attaque, initiative. Ouais, mais il a je vais engager mon précurseur de la forme pour lui faire une blessure. Ça, c'était sûr, de toute façon. C'était sûr, en fait, c'était sûr. Mais c'était sûr. Ouais, ça, c'était juste c'était la, l'attaque obligatoire et les attaques non obligatoires. Bref, faut tout déclarer en même temps, mais... Ouais, non, mais c'était ça, c'était le truc. C'était un peu la fatigue. Là, je tue même pas quoi. Je fais ouais, c'est ça, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah écoute, je vais rester comme ça. Je sais que c'est pas le bon truc. Sinon, excuse-moi. Et le mouchet. Je vais quand même faire. Attends, je vais mettre. Donc là, que je vais en avoir. Donc. Je vais On commence à être en fin de partie, en fatigue. Ouais, ouais. Ouais. Je vais en les mettre. Les plays se font plus lents. Je vais en envoyer 3 chez toi, Higgs. Ok. T'as pas voulu d'Alara. Je vais bloquer les 3 avec mes citizens là. Avec des vols. T'arrives à bloquer avec des vols. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas le vol. Ok, ben je prends du coup 6. Non, parce qu'ils ont +1/+1. Donc tu prends 9. Ok. Et 3-3. Ouais. J'en avais 8 ici. 8, 7, 6, 5. C'est ça, donc ça fait 6. Hop, donc j'en ai 6 qui sont des tap et l'autre, voilà, j'en ai 3 qui sont tap. Ok. Voilà, fin de tour. À la fin de ta main phase 2, je vais engager les 3 créatures pour faire un trésor. Et je pense que je vais le refaire deux fois. Pour faire au total 3 trésors. Et du coup, fin de tour, Benny va trigger, je vais piocher une carte. Engagement. Entretien. Oh, lui aussi, il va aller se coucher. Oh!
Allez, 31 dégâts à faire tomber là. Non, je vais pas faire tomber 31 dégâts, mais on va peut-être essayer de donner un choix de merde à Pénis. Je voulais ping la vie de la partie au début de ta phase d'entretien. Ah, tu veux le faire maintenant? Ouais. Ok. Je prends pas trop le risque que tu puisses la protéger. Enfin, c'est pas que je peux la protéger, c'est que je pouvais la copier. mais je pense que je vais faire ça quand même. Déterminer l'itération. Au début de combat pendant mon tour, je peuple. Ouais, il faut le C'est bien. Ouais. Ouais, non, je vais faire ça plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5. Carte en main. Boss chauffeur. Je peux faire du boss. Quand il lance sur champ de bataille, il lance sur champ de bataille avec un nombre de marqueurs plus 1 plus 1. Il y a le nombre de créatures que je contrôle. Des autres créatures que je contrôle. Donc, 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il arrive avec 10 marqueurs. Pouf. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur ma taille sous mon contrôle, je mets un autre marqueur plus 1 plus 1. Et quand il meurt, je fais autant de plus 1 plus 1 que ça, le nombre de marqueurs qu'il avait sur lui. Ok. Ça m'aurait bien arrangé d'avoir une Jack 6 là. Ça m'aurait bien arrangé. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va piloter. T'as combien de créatures, Alphine ? Au total ou dégagées ? Dégagées. Dégagées, j'ai 6, 7, 8, 9. 9. Attends, c'est... Et toi, t'as combien de créatures au total ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ah oui, parce que ça, d'accord. 11, ok. Ah oui, donc Boss Chauffeur, il a 11 marqueurs, du coup. Non, parce qu'il se compte pas lui-même. Oui, mais c'est 1 plus le nombre de créatures que tu contrôles. C'est une 0, 0. C'est 1 plus the number of ouais, créatures. Mais je sais pas trop quoi faire. Un pool. Ouais. Plus grand chose à faire là. Ah ouais. Stalk. Je vais. Eh oui, c'est des faux partenaires, mon chat. Je vais piloter Horde Hauler. C'est les partenaires qui auraient pu sortir. Que nous et on fait sortir. Je vais attaquer. Ben, je sais pas. En fait, non, je sais pas pourquoi je le pilote. En vrai, je vais dire fin de tour parce que j'ai absolument rien à faire. Non, pas avant la fin du tour, je vais engager les trois là pour faire un trésor. Au début du combat, je peux peupler. Voilà. Et du coup, fin de tour, je pioche une carte. C'est une interface qu'on a custom. C'est pas parce que c'est spell table classique, mais qu'on a custom par les modos de chez nous. Des bons modos. Et à la pêche de chez nous, les modos. Le chat, t'en as marre. C'est spell table, oui. Excuse-moi, j'avais mal lu ta question. Je crois que c'était en une seule fois. C'est bien spell table. Ah, on a perdu Phoenix. Ah, oui. Ah, Phoenix, la co de Phoenix est partie dormir. Aïe, 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 aïe. Elle s'est fait débrancher la box. On a débranché mamie là. Allez, je veux dormir. Ouais, c'est ça. Est-ce que oralement on t'a, Phoenix? Je crois, oui. Oui, ça oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Alors, on a une. Bon, alors déjà, est-ce que tu tout le monde dans le tour? En off. Alors, La main toute pourrie, 3 heures de game pour mourir sur un truc. Ça risque d'être compliqué de tuer tout le monde dans le tour. Il y a des bloqueurs un peu partout. Ben oui, il fallait bien. Après la life of the party, je suis content, elle va pas chez moi. C'est l'avantage. Vous avez retrouvé la carte? Non, pas encore. Non, on l'a pas. Je vais peut-être refresh. On l'a pointe, la bonne fois. Ouais, je vais refresh.
On le voit. Je rappelle pour ceux qui sont encore réveillés dans le chat que vous pouvez proposer des commandants que l'on pourrait utiliser pour un futur live. Donc n'hésitez pas à nous proposer les pires trucs possibles pour qu'on puisse évidemment faire des soirées qui durent encore plus longtemps que celles actuellement. Donc voilà, si vous avez envie de généraux que vous avez envie de voir à l'écran et voir comment ça pourrait tourner de la façon dont nous on pourrait les jouer, bah, n'hésitez pas, vous pouvez également proposer les généraux avec un streamer avec, au cas où, on sait jamais, hein, si vous pensez que ça conviendrait plus à tel joueur de la team. Ok, j'arrive. On avait, pour rappel, il y aura à ce moment-là, j'ai pas les gens. J'arrive pas à voir les gens. Vas-y. Par exemple, et ben ce sera la soirée de ce soir. C'est exactement les mêmes gens de ce soir qui seront là. Donc voilà. Alfie, X, Phoenix et moi. Donc par exemple, vous pouvez très bien dire bah tiens, je propose pour Ragen Chandler. Bien sûr. Non, là c'est un vrai. Hello Iron Wolf. Ragen, je vais dire pour la soirée. Je voulais trade. Alors tu peux l'autre, parce qu'il a. Tu peux y aller, Phoenix. J'ai payé 4 mana. No removal Kappa. Non. Bien, Iron Wolf, propose une créature légendaire pour la team. Oui, pour le problème de la 18-6, Mouchel, c'est qu'en fait, il est déjà en. C'est déjà un quelqu'un qui a été doublé, tu vois. C'est Multani et Yarkel, tu vois. Donc, non, ouais. Cette soirée, c'était deux trucs, mais qui n'étaient pas déjà double. Ouais. J'ai pioché une carte avec ta méchie. Alors, tu es en double. Regardez. Ah, je suis en double. Ouais. Tu peux muter. Attends, comment ça se fait? Ok, hop. Je vais en avoir deux. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ah, bon. Ça fait un game pour gagner la partie, ça. Pour le troisième, ça. Tous ces terrains deviennent des 5-5. Bah, il faut te finir. Il va falloir finir la partie quand même, de toute façon. Oui. Ok. Voilà, vous n'avez pas voulu mon âge de lave dans votre tête, et ben voilà, débrouillez-vous. Je vais vous révéler les pouvants culteurs. Le quoi, le... Mais non, mais faut une créature. Ça draft tous les soirs et ça joue pas de créature légendaire. Je vais mettre ça en dessous. Allez, de toute façon, au point où on est en train de jouer des commandants qui sont pas des partenaires. On peut bien dire comme Burkin, c'est notre commandant. Alors, faut équiper le commandant. Mais en fait, le problème, c'est que on a Sig sur Inner de Rivière, c'est intéressant. Ouais, un bleu noir. C'est vrai que c'est pas très joué. On le rajoute. Je propose que ça soit Ig qui joue Sig. On précise que c'est un level 7 d'ailleurs, donc pas de généraux CEDH par exemple. Bah pourquoi pas. Parce que non. Bah, c'est pas parce que le général est CDH que c'est un général. Je vais jouer une porte de Jurassic. Fort. Il n'y a que moi qui peux jouer ce genre de général CEDH parce que vous ne savez pas builder un deck qui n'est pas CEDH. Porte de batterie, ok. Avec l'effet de ça, j'ai du coup activé l'effet de déchar pour amener un truc. Ah oui, c'est vrai que c'est un artefact. Ouais. Bon, Phoenix, t'as la corde là, comme dans Magic Arena, dépêche-toi de jouer parce que tu vas perdre ton tour. Attention, j'ai ramené un compagnon de Fungueux. Il y a des bonnes idées. Après, quelquefois, l'exécution elle est pas bonne, mais il y a des bonnes idées. Bah, c'est quoi une mauvaise exécution? Est-ce que ce soir c'est une mauvaise exécution? Je sais pas, j'ai pas joué mes généraux, je te laisse réfléchir. Bah, c'est bon, moi je t'ai dit, joue Malfegor, je t'ai proposé, je sais pas, 34 fois dans la game, et tu m'as dit, non, je joue les cartes de ma main. Bah oui, j'avais une âge de lave, c'était quand même vachement mieux. Tu l'as même pas joué. Oui, je savais que j'avais peut-être une possibilité de mourir à ce tour-ci, je me suis dit, non, ça a l'air plus rigolo de rejouer le contaminateur. Je vais jouer un épouvant culteur, du coup. Gars, mouchette et ban, voilà. Gars, gros, non, gars, non. Qu'est-ce que tu joues, Phoenix? Gars, c'est un culteur, du coup. On a encore perdu. On a encore perdu. Oh, merde, c'est chaque fois que je mets la main devant le. Ouais. Il aime pas ta main, Spellable. C'est la connexion, il fait. Oh là, trop d'informations. Trop d'informations. On veut des créatures légendaires, le chat. Des belles créatures pour être dégoûté du commandeur. Voilà. Par contre, y a un petit souci, c'est que tu peux pas ramener ton spirit compagnon avec l'effet de Téchar, parce que Téchar, c'est que les
légendaires. Les sorts historiques, et donc les sorts historiques, c'est artefacts, légendaires ou saga. Oui, ma porteuse de batterie, tu as un artefact, grâce à ma mycosynthèse. Ah oui, la mycosynthèse, c'est à gauche. En spirited compagnon. Mais la mycose, elle donne l'artefact. Non, c'est uniquement... Non, Téchard, c'est n'importe quoi. Non, Téchard, c'est sort historique. Non, c'est si tu joues un sort historique. Ah, c'est cast historique. Ouais, c'est l'inverse. J'ai lu à l'inverse de l'inverse. Et tout est artefact, donc en soi, voilà. Ouais, c'est bon, c'est revenu, je pense. Conceal of Four, ça a déjà été joué par Alphie. J'ai déjà joué plusieurs fois, et en fait, j'ai pété le deck, parce que en fait, c'était toujours la même chose, où c'était juste, tu fais piocher tout le monde, into Second Soleil, deux fois, et puis voilà. Passionnant. C'était très passionnant, ouais. Gros level 8. Non, même pas, c'est du niveau 7. Je vais essayer de vous simplifier la lecture. AP. Fais gaffe, tu vas trop tard. Voilà. La main devant la caméra. Simplifie pas la lecture, passe ton tour. Il peut pas. Elle peut pas, elle est obligée d'attaquer avec. J'ai attaqué Alphie avec la vie de la partie. Utilise un bâton, utilise une fourchette pour gagner les cartes. N'hésitez pas à sub la chaîne pour payer des connexions internet au monde de la team. 8, 9, 10. Ah, Chun-Li. Chun-Li, c'est intéressant. Ah, Chun-Li, c'est 11. Oh, il y a Tantine. Tantine, Pribal de Gob. 6 fois 3. Ça, c'est pas mal là. Là, c'est pas mal. 17, donc, on a Tantine. 16, 14. Ma Chun-Li. On a pu proposer d'autres. Bah, je bloque avec 5. Et elle meurt. 13-1. Ah, c'est des 3-3. Okay. Ouais, c'est des 3-3. Donc, du coup, ça fait avec 5, ça fait 5 fois 3, ça fait 15. Ok. Et du coup, elle disparaît. Avant, et t'as combien de zombies qui meurent, toi? 5. Okay. Il t'en reste combien? Il m'en reste encore 4. Ah, on arrive au bout de notre peine. Ouais, parce qu'il a, non, parce il a pas rejoué Giza. Non, tu peux en refaire qu'un seul, t'as pas rejoué Giza. Bah non, j'ai ça qui me permet d'exiler des cartes de mon cimetière pour... Ouais, t'en mets quand même sacrément moins que j'ai ça. Et lui, je pour faire des 2-2 en exilant des cartes d'autres cimetières. Ouais, t'en mets quand même sacrément moins que j'ai ça. Avant la fin de mon tour, je vais quand même me permettre... Mais il y a Gérald. Non, mais Gérald, il en fait qu'un seul. Ouais, j'ai joué mes bottes de pied agile. Il en fait qu'un seul. Ça, ouais, ouais, il fait une XX. Ouais, qu'est-ce que tu joues ? Bottes de pied agile, ça va ramener un mire de... Attends, bottes de pied agile. J'ai une réponse. Tu vas sacrifier le machin. Contrairement que tu payes 1. Tu vas... Ça marche. Incroyable. Ah, let's go. Je réanime mon mire doré. Et du coup, je termine mon tour. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je vais... Pas de 18-6, mouché. Ah non, c'est non-token. Non, mais Chandler, c'est bon. Il est la semaine d'avant. Il sera là le mois prochain. Tout le monde a voté pour que je le joue. C'est bon, quoi. C'est bon. On l'a compris. On le veut, le j'avais oublié, avant la fin de ton tour, Phoenix, Joven, on va regarder ce qu'on peut faire un trésor et piocher sur... Ça marche. Joven, on regarde dans le chat. Ah, Joven, il est beau. Je vais commencer par payer 4 et je vais me cibler moi, je vais dire que je vais piocher 2 cartes. Ok. On t'a repayé du Phoenix. Ouais. Alphie, il faut que tu tues Phoenix. Maintenant. Ouais, je vais lander. Ouais, mais il a 24 points. Non, mais on peut pas de partenaire. Ah non, mais on peut pas mettre les deux. Eh bah, Higgs, aide-le pendant que Phoenix est bloqué. C'est, vous me faites tuer tous mes zombies, je peux pas... Moi je suis mort, hein, on va pas voulu que je vive. C'est mais t'as le vol. C'est ta faute, Alphie. Oui, mais je peux pas le tuer en une fois, ce que je veux dire. C'est que j'ai plus assez de créatures pour le tuer en une fois. Ah bah oui. C'est pénible, ça. Hein. C'est pénible de plus avoir de créatures. Hein. Mais c'est quoi la carte de l'Unknown Event? On l'a pas, la carte de l'Unknown Event. Enfin bref, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a eu plein de. Elles sont maladées sur Reddit un peu. Okay. Hop. Je vais engager le Gravecaller. Je vais exiler une de tes créatures de ton cimetière. X, je vais créer un zombie. Bah, Life of the Party. Quoique. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Life of the Party. Ouais, Life of the Party. Et donc, du coup, lui, il va avoir un marqueur.
Je vais. Mais c'est des duos en fait. Je vais payer 4 du coup. Oh putain, oui, ça y est, j'ai compris. Joven et Chandler, d'accord. Bah oui, les deux, mais je cherche s'il y est. Non, mais pas sur Skyfall, c'est. Il faut si, il y est, c'est bon, je l'ai. Ah, je l'ai sur le wiki. Plutôt comme ça fait. Ah oui, en plus. Ça fait, c'est une 3-3 pour 5 qui a backup 2. Du coup, quand ça arrive en jeu, ça va donner 2 marqueurs +1/+1 à une créature et ça va copier la capa qu'il a en dessous. Il a haste et à chaque fois qu'une créature affiche une blessure de combat à un adversaire, il détruit un artefact que ce joueur contrôle. Tuck. C'est nul. Ouais, c'est Joven et Chandler. Hop. Moi, je voulais faire un deck Friends, mais on m'a pas dit. Eh, hey, il y a Norin et Fendorn. Et. Ah, mais, c'est des Mystery Boosters en fait. Ouais, Emile, c'est Celestia, je crois. Ça, looking at functioning like the test card in a mystery booster. Et Miel, c'est Celestia, ouais. Et il y a 62 cartes designées dans cet event. Ça y est, Phoenix est mort. Ah, Phoenix. Concede. Concede de Phoenix. C'est non. Allez. Alphie, tu peux attaquer X maintenant avec tes créatures. Ah non, le problème, c'est qu'il a, il a plein de créatures. Mais est-ce que tu peux mettre 20 avec le vol? Et la menace. Oui, sauf que j'ai que 4 créatures qui peuvent attaquer. Donc du coup, j'en ai. Donc le truc, c'est que. Miel, on a déjà vu Miel. Et Miel la bénie, c'est la première. Bah, il n'y en a qu'une seule de Miel. Ouais, mais comme on commence à me sortir des zones no event, j'ai un doute. Ça me fait 4. Miel, on a vu déjà. C'est déjà. 12. Je t'invite même sur YouTube West à taper dans notre à taper Emiel dans la barre de recherche et tu trouveras les games d'ailleurs où ça en est pas trop mal sorti d'ailleurs. Non bah écoute non, c'est fin de tour hein. Bah toujours enfin en main phase 2 donc trésor pour piocher ouais. Sur Ben dégagement bon, j'ai plus assez de force de frappe normal. En fait, j'ai plus assez de force de frappe pour pouvoir taper. Oh, pardon. J'ai obligé de rester en bloc. Et en fait, dit un gars du Finistère, un gars de la Bretagne. Mais finalement, non. Alors, Higgs, la boule de feu. Ah, j'aimerais bien là. Oh là, vu tout le mana que j'ai, j'aimerais bien. Bah, je l'avais aussi, hein. Voilà. Attends. Vous allez être content, hein, ceux du replay, 4 heures de game. Non, on a commencé à 22h. Oh ouais, c'est pas faux. Bah, 3 heures de game quand même, 2 heures de game. Ouais, je peux pas faire venir des créatures. Putain de lune, j'en peux plus. Ça va être ma faute. Elle fait du mana avec. Non, j'aimerais bien qu'elle soit pas ça. Non, puis je sais pas du tout quoi faire là. Il fait quoi ton chauffeur là? Ben mon chauffeur c'est juste une grosse bête. Il fait rien d'autre? Eh ben si, il va gagner des marqueurs quand il y a une créature qui va arriver, mais bon. Ah bah ouais. Ça va pas faire grand chose. On va faire ça je crois. 4. Non c'est quand il meurt, il faut des choses. Solide grésillant, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut pas bloquer ce tour-ci. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Cette créature attaque pendant la prochaine étape de combat de son contrôleur si possible. Allez, hop, trigger. Il gagne un marqueur ici. Alors, je regarde, t'as Mintsara. Arme. Ah, arme. Ça a réussi à le trouver, c'est bizarre. Ok, pour 4. Ouais, je l'ai pas, Mintsara. On va jouer. Vision de ruine. C'est le seul, c'est ça. Chaque adversaire va sacrifier un artefact. Ah, ça, c'est sympa comme carte. Pour chaque artefact sacrifié de cette façon, je fais un trésor. Okay. Je pense que ça va te mener avec tous tes trésors. Hein, mais... bah, en réponse, je me meule 2-2 parce que voilà, pourquoi oui, pas. Un terrain, c'est cool, et un terrain, j'ai bien fait. Je vais sacrifier mon familier de filigrane et je vais piocher une carte. Ok. On prend, ouais, Charlie, on prend. Après, il donne le. Je vais le payer 6 pour le flashback. Excusez-moi, c'est dur. Il donne l'initiative, non? C'est pas ça, je regarde. Un peu long. Attends, j'étais à 12. J'ai gagné 2. Ah non, c'est juste un booster. Ok. 6, je passe à 8. Okay. Donc je le flashback. Je vais sacrifier mon compagnon fougueux. Ok. Et puis du coup, je fais un trésor. Je passe à 9. Moi, je n'avais qu'un artefact. Ouais, je sais bien.
Et t'as combien de créatures? T'as combien de bloqueurs? J'en ai 5, 6, 7, 8, 9. T'as 9 bloqueurs? Bah écoute, il a pas attaqué. Merde, je peux pas attaquer. Je veux dire pas moi non plus, hein. Je veux dire fin de tour. Enfin, fin de tour, oui, fin de tour, et je pioche une carte. Ah, si vous attaquez pas, c'est fini, tu vas gagner. Hein. De... Je vais faire un dégât, Alfie, je suis désolé. Oui, bah, de toute façon, je sais. Ouais. Je suis l'influence. Je... À la fin, je vais aussi piloter mon épouvanculteur. Enfin, piloter mon brise-banque avec mon épouvanculteur et mon porteuse de barrière. Ouais, pour ramener un terrain engagé depuis mon cimetière. Hein ? Ok. C'est comme une tarade. C'est en fait, c'est, non, c'est Skirtiller quand il est engagé, il renvoie des terrains. Je me disais, c'est quoi son effet Ah oui, d'accord. Mintara, c'est une de deux qui booste les autres créatures avec des compteurs expérience. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors... Ah bah voilà, vous avez pas tué Alfie, vous avez pas tué Phoenix. Ah bah c'est dur, hein, c'est dur. Bah ouais, bah oui, mais pour sa caméra aussi. Oui. La caméra en train de décéder. Ah, c'est clair, ça surchauffe là, le téléphone. Il est en train de mourir. Alors là. Du coup, j'ai quand même... Arrivé à ma phase de décachement, je pioche une carte. Trop de cartes chez Phoenix. Faut une vraie race là, ça manque de vraie race sur cette game. Je vais regarder une guerre des antiquités. Je vais utiliser, activer la guerre des antiquités, enfin, de base déclenchée plutôt. Ouais, donc là il faut. Attends, il y a tellement de trucs quoi. Je vais trouver. Je vais vous révéler. Un pont de la maison. Je serai au Command of Fest personnellement. Je crois que Alfie aussi y sera. Ouais. Et après, je sais pas pour les autres. Peut-être. Ah, peut-être qu'on aura X. On va dire que j'y serai parce que j'ai fait mon Yankly à la con. On verra si on monte pas une table d'ailleurs. Donc, s'il y a des gens qui veulent jouer avec nous, ce sera un plaisir évidemment. On verra si on peut amener du matos et filmer quelque chose. Je vais jouer un pont de chevet remar. Pour un mana bleu, je vais jouer Emery. Oh là là. Oh là là. J'ai ramené le compagnon fougueux. Eh voilà, vous avez envie de attaquer. Ben non. Je pioche une carte, puis je me mets. Mais j'ai pas la célérité. J'ai peut-être quelque chose au prochain tour. On l'espère. Ah, j'avais Nicole Boulard. J'aurais bien la petite KL contrôle d'une créature. Est-ce que t'avais les manas? 8 manas, j'avais 8 manas. Oui, puisque j'ai Boons. Ah non, tu crois pas? Oh, tu crois que j'avais pas? Non, parce qu'il fallait 6 à ce gros couillon de démon. J'ai jamais autant manqué de mana sur une game, quoi. Et pourtant, j'en avais, mais... De mana pour un oiseau de paradis qui va ramener... Ouais, 6. Tu crois que ça, que j'avais pas assez de mana pour le jouer, ce couillon. N'empêche qu'il ressemble à quelque chose sur ce visuel. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Un familier de filigrane. Je gagne 3 points de vie. 2. 2. Ah, c'est que 2. Écoute, on est... Ah attends, j'avais mal lu, c'était le... Oui, c'est... Fais gaffe, Mouchet, le Commander Fest, où est Charlie, il parle du Commander à l'Assemblée. Ouais. Payer 2 pour jouer. Je suis au 2, hein. Je suis au Commander Fest à Annecy et au Commander à l'Assemblée. Ah, je pourrais pas être là au Commander Fest. Ouais, c'est dur, hein. On est où chez pildedeck.com, là. Excusez-moi. Là, c'est le board, là, il est... Croyez-moi, je fais des trucs. Hein. Je t'avoue, je regarde des cartes tomber sur cette table. Je fais, okay, la phase d'attaque, c'est plus rapide de tourner le tapis, tu vois. Ouais. Tourner la caméra aussi, ça marche. Oh là là, Mouchet qui renie les gens. Oh là là, je sais pas ce que t'aurais fait sans enfin, ce crâne. Moi non plus, mais tu l'aurais fait. Viens au serre. Viens au serré. Bah du coup, je pense quand même que je vais... C'est que ce truc foil. Ah, tu cherchais quelque chose en particulier?
Phoenix, dépêche-toi, le chat a faim. Tu sais, sinon tu fais une créature qui vole pour Auxerre, absolument ça marche très bien. Okay. Eh, tu prends ton logement, tu prends ton logement d'Annecy pour aller à Auxerre le matin. Je vais te mettre tes chars sur la tête. Ça fait 3. Allez, encore 10 tours. Ma technique pour Auxerre était juste impec. Hein. Non, elle était nulle. Et... Bah, viens à Auxerre, allez. Je vais terminer mon tour, du coup. Attends, genre, toujours à la fin de ton étape principale, là. Pouf. Trésor pour piocher. Voilà. Donc c'est à moi, c'est ça. Donc faut réussir à faire des trucs pour réussir à tuer Phoenix, mais... Si à Phoenix, la fin de mon tour, Alfie, je vais te ping quand même. De mon tour à moi De mon tour à moi. Ok. Je pioche. 3, 2, eh ben, c'est 1. Tiens. Alfie, si tu ne tues pas Phoenix, c'est Phoenix qui te tue. Oui, je sais, mais si je tue Phoenix, c'est X qui gagne. Non, mais en fait, comment X va gagner. Ah oui, j'attaque avec mes créatures, t'as perdu. Attaque avec tes. En fait, c'est X qui va gagner, donc attaque Phoenix. J'engage le Cemetery, je crée un zombie en exilant un de tes, une des créatures d'X. Ouais, ok. Pendant ton tour ou à la fin du tour de Phoenix ? Non, pendant mon tour, j'avais tout le monde. J'étais full tap. Et mon cemetery était tap. Alors, Alfie ? Oui. Il est possible que, à mon tour, si tu as infligé le plus de dégâts possible à Phoenix, peut-être qu'on peut le tuer. Non, mais dans l'état, je peux le tuer. Hein. Ah. Mais si je le tue, tu me tues derrière. Oui, bah dans tous les cas, tu sais, dans tous les cas, t'es mort, donc choisis. Oui, en fait, choisis que t'as envie de voir gagner. En fait, si tu veux, voilà, soit tu fais gagner Phoenix parce que Phoenix va te tuer, en fait, soit tu fais gagner, enfin, X peut gagner parce que tu tues Phoenix. Donc, en fait, tu peux pas gagner. Donc, 4. Pense au chat. C'est ma tu ne le fais pas pour toi, pense au chat. Ouais. Hop, je vais faire 2, 6. Ça 8, hop. Je vais exiler deux autres cartes de mon cimetière à moi cette fois-ci. Ça va être du coup un Grève Marchand et un Unbreath Horde. Hop. Deux zombies de plus et. Je fais ça. Il me faut encore 16. Ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça fait les 5. Mais tout ça chez Phoenix. Ça fait 27. Alors, avec le vol et la menace. Avec le vol et la menace. Je vois que tu as une créature volante, Phoenix. Est-ce qu'il y en a une deuxième qui se balade ? Ah si, il y a une autre créature qui se balade, en fait. T'as une autre créature qui se balade avec le vol ? Potentiellement. Oui, mais elle est où ? Parce que moi, j'ai pas vu. Elle a un gros dé dessus. Si c'est le véhicule, c'est... il peut pas... y a pas de coup de pilotage dessus. Ah, il n'y a pas de coup de pilotage, ok. Oui, il faut qu'il y ait 4 marqueurs, c'est ça. Tu as attaqué avec le volant... Non, à Vinay, je vois rien, mais il y a 4 manas d'étape. 5 manas. Attends, je regarde avant de finir mon note. Le machin, elle est là. Azong Four, il y en a 3 déjà des marqueurs. Il y en a 1 pour l'instant. On n'entend plus Phoenix. Moi, j'en vois. Viens, Mouchet. Fais semblant d'y réfléchir. Je vois 2 ou 3 marqueurs. Je réfléchis, mais. Il y a combien de marqueurs sur. Non, je veux savoir, il y a combien de marqueurs dessus. Techniquement, il y en a 3, mais j'ai oublié les triggers du coup d'envie. Ouais. Ouais, faudrait que je sacrifie quelques créatures quand même pour pouvoir bloquer. Non, mais j'ai d'autres idées.
Je vais piocher une carte avec mon brisebank. En payant comment? Je peux avec le. Je vais engager Tameshi et l'épouvanculteur. Je vais poser un pont de lame jusant. Et du coup, je pioche une carte. Hein? J'ai pioché une carte en réponse pour aller chercher. Non, mais il peut faire du mana, tes machins? Ouais, grâce à la porteuse de batterie. Ah, c'est toutes les créatures? Ouais, toutes les créatures que je contrôle. Ah, je croyais que c'était que... Okay. Je vais piocher une carte avec mon porteur de la fin. Je pense que ça va pas changer grand chose. Et il me faut une troisième créature engagée. Ça va être le familier de filigrane, je pense. Alphie, t'as combien de bloqueurs? J'en ai 3, 4, 5. 5 et un mana noir. Ouais, 5. On va envoyer tout le monde. Hein. Enfin, quoi qu'attends. Je vais. Lui, ah, il y a une 3-2 qui va piloter le machin 5-5 là. Ouais, il, va y avoir un. Comment ça s'appelle? Un token qui va arriver late. Et puis il attaque. Hein. Attaque avec tout. Avec solide. Tout. La totale. Ah, c'est dommage parce que. Si elle avait lancé un sort, j'aurais et eu n'importe des bloqueurs. Quel, et n'importe quel bloqueur, je vais l'exiler en éphémère. Ouais. Bravo, Higgs. Incroyable. Est-ce que le chat et les viewers, on pense que j'ai agressé inutilement Higgs? Ouais, tu en fais chier à faire sacrifier des tokens chaque tour. Oh là là, est-ce que ma target constante sur X était vraiment mauvaise? Je n'en sais rien. La partie parlera d'elle-même. Tu veux savoir c'était quoi la prochaine carte que je piochais? Rien. Zombie Apocalypse. Je retournais tous les zombies, je détruisais tous les humains. Oh mon dieu. Du coup, t'avais qui mouraient parce que je crois que c'était que beaucoup des humains. Et moi j'avais des lords encore dans mon cimetière qui permettaient de. Et ton vieil artefact relou, la véhicule qui t'a fait gagner des trésors et t'a accéléré la game. Tour, quoi. Non, mais bien joué. Alors je vais commencer vu que je suis la personne qui a malheureusement décédé. Été chue en premier. Je vais donc vous parler un petit peu de mon deck et un play qui m'a intéressé, que j'ai trouvé intéressant ce soir. Ouais, en 3 heures, hein, il y en a un petit peu. Alors, bah, du coup, c'était rigolo de jouer ça. C'était pas très compétitif. Et c'était très rigolo de le jouer. Ça a manqué de terrain. Et du coup, je me retrouvais avec des grosses saucisses dans la main qui coûtent 5. Parce que j'avais un blast à X et 2 cartes à 5. Donc c'était assez compliqué. Mais c'était rigolo. Et c'est dommage que ça ait pas été plus loin. Mais c'est pas grave. En play que j'ai trouvé assez intéressant dans la game. Il y a eu beaucoup de choses dans la game. Un truc marquant, c'est vrai que j'en ai pas retenu beaucoup. C'est un peu difficile de chercher, de trouver quelque chose. Je pense que c'était. Alors le problème, c'est que je suis un petit peu aussi avec, mais c'était le côté un peu partenaire, non partenaire de Phoenix et moi pour éliminer des créatures. Voilà, ouais, c'est vrai que c'était le plan. Hein. Je suis un peu auteur du truc aussi, mais j'ai moins de choses qui m'a marqué de l'autre côté. Voilà, en tout cas. Phoenix, à toi. Dodo. Si on arrive à capter Phoenix. Phoenix, c'est pas dormi. Je pense qu'on m'a laissé piocher beaucoup trop. Avant de me... C'est vrai. C'est vrai qu'on t'a pas trop embêté. Mais bon, bah ça c'est fini quand même. Moi, le play qui m'a intéressé, il y avait un. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée là, je suis désolé, je sèche un petit peu. Il y a beaucoup d'actions, mais il n'y a pas de play marquant quoi. Ouais. C'est ça, voilà. Il y a eu des jolies stratégies du côté de Higgs. Je pense que tu as peut-être dû m'envoyer beaucoup plus souvent les véhicules dans la gueule, vu que c'était souvent sur moi que tu faisais plus de trésors. Bien sûr, mais moi, je les salue.
Le sel a dicté, la conduite du véhicule. Ça c'est... Il est même pas breton. Non. Dicté par le sel. Pas de plaie pour toi, pas de souvenir marquant. Là je les vois pas du tout. Là je les vois pas vraiment. Ça. Ah, puis la partie était longue aussi. La partie était longue et ouais, il y avait pas beaucoup de plaies. J'ai pas eu l'impression. Alors peut-être que Alfie nous donnera le change. Alfie, cette soirée. Ça peut paraître un peu idiot par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est vrai que je me suis senti un peu toujours à essayer de battre en dehors de l'eau, d'essayer d'avoir un peu le bord de stable, parce que en fait, c'est vrai que t'avais d'un côté, t'avais toi, Aragorn, qui me faisait sacrifier un truc par tour, bon, même si j'avais quelques zombies. Puis après, à côté, t'avais Izz qui faisait tiens, je t'attaque des gros machins, donc il faut que tu bloques machin pour pas perdre trop, donc tu sacrifies des trucs. Forcément, avec Phoenix, je t'attaque, donc toi, à chaque fois, j'ai toujours l'impression d'être un peu derrière, tu vois, et de juste, avec mes plaies, était pas assez impactant pour pouvoir reprendre l'ascendant. Et ça fait que, en effet. J'étais un petit peu, je me voyais derrière à chaque fois, quoi. Je pouvais pas d'avoir de l'étal tranquille et d'être dans une position derrière, quoi. C'est ça le truc. Sinon, en play, y a le fait quand tu as joué ton rat, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi sacrifier. Il y a eu le play, la grosse créature que X a joué là, qui donne des créatures aux autres. Qui était pas mal. Ouais, j'ai hésité, mais il est resté pas suffisamment longtemps pour. L'action 43 de jouer un artefact de Phoenix était très intéressante. C'était laquelle celle-là? Oh bah quand même, tout le monde s'en souvient, merde, l'action 43. Ouais, c'est vrai qu'il a joué pas beaucoup, il a pas joué beaucoup d'artefacts. Bah justement, c'est pour ça. Voilà mon ressenti. Okay. Me sentir un peu derrière et ouais, j'ai ressenti ça un peu aussi. Moi, je voulais toujours taper sur Higgs, mais il fallait garder la pression sur toi parce que sinon tu aurais juste pu. Enfin, avec les zombies volants, c'est impossible de bloquer. Du coup, il faut rester un peu la pression sur toi. Et c'est un peu dommage. Et Higgs, du coup. Alors, ta game, ton play, ton avenir. Mon avenir sur la chaîne, compromis. Ouais. Alors. Déjà que tu nous as forcé à être en retard. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est moi qui force à être en retard. Non, écoute, le deck, il a fait ce qu'il devait faire. Il était fort. Ça, c'est pas, il y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que le début de la game a été très très lent pour moi. C'est-à-dire, j'ai dû attendre le tour 5-6 pour qu'il se fasse quelque chose. Ouais. Mais par contre, quand il est parti fort. Il est parti en roue arrière. Ouais. Donc c'était cool, mais ouais. C'était un petit peu fort pour la table. C'est en termes de card advantage. J'ai quand même pioché beaucoup de cartes. T'avais été nerfé en plus. Ouais, j'avais été nerfé. Voilà, le play qui m'a beaucoup plu. Globalement, le deck de Phoenix, j'ai adoré. C'est super intéressant à regarder. Même si au bout d'un moment, beaucoup trop d'action. Tu vois plus rien. Vraiment beaucoup d'action, mais ouais. La combinaison, c'est ça de. Comment il s'appelle Tameshi et Shikiki, c'est vraiment, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et voilà, globalement, j'ai trouvé le deck super intéressant à regarder, à jouer. Ok. Pas d'action, mais plutôt un global, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Moi, ça a pas marché. J'ai pas de chat. Pas encore. C'est le mien qui est en train de me gueuler dessus parce qu'il voudrait aller dormir lui aussi. J'aurais beaucoup aimé pouvoir transformer Tameshi en véhicule et le garder protégé des anticrés. Ah, c'est vrai qu'il y avait un play rigolo là. Là, c'est vrai qu'il y avait un play rigolo. C'est vrai. C'est un beau play celui-là. Et bien, ceci clôture une autre soirée du Commander Club. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, vous n'êtes pas endormi dessus dans le chat. N'hésitez pas encore une fois à proposer des commandants pour que l'on puisse faire notre soirée. Je rappelle que le Random Commander a eu lieu juste début du live. Donc, et que j'ai un doute si on le diffuse ou pas. Vu que la game a fait 4 heures, on va peut-être pas la diffuser.
Ça fait quand même 30 minutes de plus à regarder en replay. Donc peut-être qu'on le fera à part. Peut-être qu'on fera une vidéo à part. Comme ça, voilà, ça fait une vidéo de plus pour la chaîne. Et du coup, voilà. Donc, mois prochain, Random Commander exécutif, vous allez pouvoir vous marrer devant les généraux que vous avez choisis. Et également, vous pouvez voir la semaine suivante le reste des games avec les généraux que vous pouvez nous donner maintenant sur Twitch ou en VOD YouTube. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à passer. Faire un coucou sur YouTube et évidemment poster un général qui vous tenterait de voir à la caméra. Sur ce, très bonne soirée à tous. Passez une très bonne fin de semaine et puis à très bientôt chez Conning Commander. Bye bye à tous. À plus. Bye. Ciao.